Buisson, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté cette invitation et puis merci à ceux qui nous suivent toujours aussi fidèlement. Continuez à commenter ces vidéos et puis à vous abonner et à pousser ceux qui vous entourent à le faire. C'est un simple clic. Patrick Buisson, nous commençons toujours cette émission par une citation. Pour vous, j'ai choisi un homme qui par certains aspects vous ressemble, Edgar Quinet, euh, trop méconnu, mais qui a une vie passionnante. Euh, le véritable exil n'est pas d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre et de n'y plus retrouver ce qui le faisait aimer. Lui parlait d'un exil géographique, il avait quitté euh, sous la contrainte euh, la France avec euh, l'accès au pouvoir de Napoléon III. Vous, dans la fin d'un monde, vous parlez presque d'un exil temporel, ou en tout cas d'une France qui a radicalement changé dans la, la période 60-75. Qu'est-ce que vous évoque cette citation mais d'abord, euh, si on la prend avec euh, l'esprit du temps, elle nous renvoie à la condition qui est celle des hommes de, de droite, ce, ce vocabulaire me paraît bien, bien pauvre, disons, ce qu'on appelle les réactionnaires, euh, c'est-à-dire la condition des de l'intérieur. Sommes-nous voués depuis euh, euh, plus de deux siècles à habiter l'histoire avec ce sentiment de déracinement, d'arrachement, euh, de rupture qui fait que... Euh, euh, nous portons sur le monde extérieur un, un, un regard un d'exilé. Regard alors ce sentiment euh, d'exil qu'évoque Elgar Quinet, euh, bien sûr que nous pouvons l'avoir. Euh, mais moi je dois dire qu'ayant euh, vécu étant parisien, trois générations de parisiens ayant beaucoup vécu à Paris, ayant beaucoup aimé Paris, j'ai vu Paris changer. Le Paris de mon enfance, c'était un Paris de village, alors qu'il était façonné par... Euh, euh, les communautés provinciales hein, qui étaient très fortes, qui constituaient de, de petites nations, de petites provinces à l'intérieur de Paris, et avec euh, des, des pratiques et des mœurs qui étaient celles de la ruralité encore. Moi j'habitais dans une rue commerçante du 17e arrondissement, qui était une enclave populaire, la rue Poncelet, euh, dans un 17e plutôt bourgeois, même très bourgeois. Et on retrouvait les mœurs, les comportements qui étaient ceux de la vieille socialité rurale. Tout le monde connaissait tout le monde. Moi, le gosse, on m'appelait par mon prénom. Je connaissais tous les commerçants qui m'appelaient par mon prénom. Aujourd'hui, imaginez cela, alors qu'on est obligé d'organiser des fêtes de voisins pour que les gens de palier à palier se connaissent ou puissent se parler, alors que ce n'est pas le cas. C'est évidemment euh, euh, revenir ou, ou, ou tenter de revenir à un monde qui. Euh, qui s'est largement euh, dissous. Mais dès qu'on quitte les grandes villes, dès qu'on quitte Paris, il y a encore de cela, il y a encore de cette vieille socialité euh, qui était celle de la civilisation rurale et qui faisait que euh, on, on évoluait en, entouré de euh, le voisin était un proche. Euh, voilà, il était pratiquement, il, même s'il y avait des rivalités, des conflits, il faisait partie de la, 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 la grande famille, de la communauté. Ouais, euh, en France, il faut bien voir qu'avant les communes, ce qui préexiste aux communes, ce sont les paroisses. Avant qu'il y ait le village ou la commune, ce sont les paroisses. Et donc, il y a un lien communautaire, qui passait par la chrétienté, par la religion catholique, euh, qui était un lien extrêmement fort, C'est-à-dire que personne n'était laissé, pratiquement personne, sur euh, sur le bord de la route. Quoi. Euh, moi, ce qui m'a frappé dans la canicule de 2003, j je prends toujours cet exemple parce qu'il me paraît extrêmement euh, Vraiment, 2003, c'est pas, pas si vieux, quoi, 18 ans. C'est qu'il y a eu à peu près 300 ou 400 euh, corps qui ont été identifiés, mais pas réclamés à Paris, de vieillards qui étaient morts euh, seuls euh, dans des chambres ou dans des appartements, qu'on a entreposés euh, avant de les enterrer, en attendant que la famille se manifeste. Et la famille ne s'est jamais manifestée. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, ou peut-être un ou deux, de cas semblables en province. En province, euh, on regarde, on remarque si les volets sont ouverts ou s'ils ne le sont pas. Euh, il y a eu une différence très marquée entre euh, le comportement des grandes villes, notamment de Paris, et euh, des euh, petites villes de province où ces liens communautaires n'étaient pas entièrement euh, dissous. Alors, il suffit de sortir finalement des grandes villes pour retrouver un peu et se sentir beaucoup moins émigrés de l'intérieur et beaucoup moins en exil euh, et, et d'aller au-devant de finalement euh, euh, ce peuple profond qu'on a vu euh, ressurgir à certains moments de notre histoire et même de notre histoire récente qui existe toujours, qui a gardé une partie de, euh, de, de ces mœurs-là, même si euh, euh, les structures aujourd'hui de, de la. La vie du travail font que euh, le, lien, euh, le lien au lieu, le lieu c'est vraiment euh, euh, là où on s'enracine, est moins fort qu'il ne l'était il y a 50 ans. Alors on va revenir à votre livre, La fin d'un monde, à ces années 60 qui voient le basculement de l'homme religieux à l'homme économique, ce grand remplacement finalement avant l'heure, euh, avant donc d'explorer de, autant qu'on pourra. Euh, cet essai, on va parler un petit peu d'actualité politique, euh, mais en gardant un peu de hauteur. Euh, je vais rester avec Edgar Quinet, euh, qui finalement qui m'a rappelé avec cette phrase euh, Votre euh, plus fameux ouvrage, La cause du peuple. La bourgeoisie sans le peuple, c'est la tête sans les bras. Le peuple sans la bourgeoisie, c'est la force sans la lumière. Est-ce que finalement, L'électorat idéal, cette union que vous avez toujours appelée de vos voeux entre l'électorat populaire et l'électorat bourgeois de droite, ce n'est pas d'un côté l'électorat potentiel d'Éric Zemmour et de l'autre celui de Marine Le Pen C'est évidemment toute, toute la, la question et tout le, et, et tout, et tout le problème. Moi, j'ai longtemps été, parce que je suis un observateur de la vie politique et de la sociologie électorale, un partisan de l'union des droites. Euh, J'étais sur cette position assez isolée euh, dans les années 80 parce que euh, sociologiquement, les droites étaient encore majoritaires en France. Voilà. Cette réalité électorale, elle s'est dissoute. Ce n'est plus le cas. Les, euh, les droites, euh, aujourd'hui, euh, n'ont pas l'assise sociologique électorale qui leur permet euh, d'aspirer à, à constituer une majorité en France. Il y a eu un phénomène extrêmement important qui a été ce phénomène de retrait de l'électorat populaire qui s'est réfugié dans l'abstention, euh, à force d'être confronté aux réalités d'une démocratie formelle qui, hors l'élection présidentielle, n'était plus qu'une démocratie censitaire, ne votait que la bourgeoisie de droite, ou les fonctionnaires, fonctionnaires territoriaux, ou la fonction publique, qui elle votait plutôt à gauche, c'est-à-dire les inclus, la France protégée, la France des inclus qui faisait toutes les élections intermédiaires. Et donc, le vote protestataire, quel qu'il soit, d'ailleurs à l'extrême gauche comme à, à droite, ou dans la droite radicale, euh, ne trouvait jamais être représenté, compte tenu des modes de scrutin euh, qui restaient des scrutins majoritaires, même s'il y avait parfois des, corrections de, des correctifs de, de proportionnel, mais à la marge finalement. Et donc, toute cette France populaire, euh, l'as de ne pas être représentée, euh, a fini par euh, déserter les, les urnes et s'est abstenue. Et on a bien vu que la configuration électorale avait changé, et que vous espérez emporter à l'élection présidentielle une majorité, il fallait plus simplement rassembler les droites, c'était une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il fallait chercher cet électorat populaire, qui est l'électorat qui faisait l'élection, finalement. Ça a été à la base de toute la stratégie que j'avais suggérée et conseillée à Nicolas Sarkozy en, en 2007, c'est-à-dire réunir effectivement autour de la défense d'un patrimoine immatériel, parce que euh, nous n'avons pas la sottise de penser que euh, le problème de, des classes n'existe pas, les intérêts de la, de la bourgeoisie, même patriote, requalifié patriote par exémour et celui des classes laborieuses, on va dire, c'est-à-dire des catégories populaires, ne sont pas exactement les mêmes, bon, même s'ils ne sont pas euh, euh, inconciliables. Au-delà de ces euh, différences sociales, quand même assez marquées, en ce que l'idée de la, réunir ces deux électorats sur la défense d'un patrimoine immatériel, c'est-à-dire l'identité française, a été pour moi l'option stratégique majeure. Et dire, la, 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 la seule chose que je pense avoir réussi, c'est de faire intégrer ou récupérer cette idée par ce qui était convenu d'appeler la droite dite républicaine à l'époque ou la droite de gouvernement. Et le fait que Sarkozy adopte cette thématique à partir de 2005, la thématique de l'identité nationale, la référence aux racines chrétiennes, a été une avancée idéologique considérable. Alors sur le moment, on ne s'en est pas rendu compte, mais pour la première fois, les partis de droite de gouvernement ont intégré ces concepts qui ne faisaient plus partie de leur corpus depuis au moins 15 ans ou 20 ans. Euh, eric Zemmour évoque toujours la période euh, du euh, RPR qu'il a tendance un petit peu euh, euh, à, idéaliser. À, à idéaliser parce que ce n'est quand même pas tout à fait ça, euh, mais il y avait incontestablement de ça. Le retour de cette thématique, redonner un état civil politique à cette idée d'identité nationale et de racines culturelles, civilisationnelles, qui sont les racines chrétiennes, était évidemment l'enjeu majeur. Alors, naïvement, on s'est dit, bah ça va, la partie est gagnée. Euh, en plus, on fait la démonstration que ça marche. Sarkozy fait 31% au premier tour, il est élu avec 54%. Euh, euh, il réussit à réunir une partie de électorat populaire qui allait sur Jean-Marie Le Pen et l'électorat de la droite classique. Et on se dit, on a fait la démonstration que finalement, voilà, l'équation électorale est trouvée. Il ne faut plus en changer, il ne faut plus en bouger. Et on espère que la classe politique aura compris. Évidemment, les choses se passent rarement comme ça dans la réalité. Et comme vous le savez, l'histoire du quinquennat Sarkozy euh, n'a pas été celle que j'avais pu espérer, celle pour laquelle je m'étais battu et je pensais avoir convaincu. Euh, la preuve par la... le succès électoral est une preuve, quand même, qui est parlante pour la classe politique, mais non, pas suffisamment en tout cas et on a vu que malgré tous les efforts pour essayer de repositionner la campagne en 2012, la déception, le fait que Sarkozy avait développé un discours très particulier quand même moi je ne vous trahirai pas et que finalement une partie de l'électorat populaire importante a eu le sentiment d'avoir été trahi. Puis on a vu que malgré une campagne où il avait repris ce thème et euh, euh, où j'avais avancé déjà déjà dès 2010 euh, je dis au oh, Nicolas Sarkozy, président de la République, euh, les sondages sont alors extrêmement mauvais. Euh, la popularité de Sarkozy s'est évanouie. La seule façon de pouvoir aborder la présidentielle avec une chance de gagner, c'est de faire un référendum avant la présidentielle sur la thématique de l'immigration. On pose les questions sur le droit du sol, droit du sang, le regroupement familial, euh, le statut des réfugiés. Il y a cinq questions à poser. Si tu as le courage politique de faire ce référendum, tu recrées une dynamique politique sur laquelle tu peux légitimement penser être réélu. Il a hésité, il n'a pas voulu le faire, et malgré la campagne euh, euh, où on avait donné, où j'avais moi essayé d'insuffler euh, euh, de nouvelles thématiques, euh, et notamment sur les questions sociétales, les questions sociétales. J'avais réussi à convaincre le candidat Sarkozy de donner une interview au Figaro Magazine euh, euh, où il s'engageait à ne pas faire euh, le mariage homosexuel. Il m'avait chargé de porter une lettre au pape Benoît XVI euh, qui contenait ce, ce, même, ce même engagement. Bon. Malgré, euh, malgré tout cela, ben vous connaissez la, la, le résultat. Le résultat aussi qui est parfaitement lisible d'ailleurs. Mais personne ne regarde les chiffres, ne travaille sérieusement. Enfin, il y en a quelques-uns quand même, euh, quelques politologues. Euh, euh, Sarkozy est battu de très peu. Il aurait fallu dépasser un million de voix et il est battu par l'abstention de l'électorat de Marine Le Pen. Euh, les abstentions et bulletins blancs et nuls. Il y a un nombre très important de bulletins blancs et nuls au second tour. Et là, c'est très simple. Il suffit de voir les zones de force du vote de Marine Le Pen au premier tour et on retrouve une très forte poussée euh, des Blancs et Nuls au second tour, l'électorat populaire qui n'a pas voulu redonner un chèque en blanc euh, à Nicolas Sarkozy. Alors, donc, vous dites quand même, les choses sont euh, euh, relativement... L'analyse politique n'est pas très compliquée, il suffit de regarder quels sont les rapports de force et de voir comment les choses évoluent. Maintenant, euh, la difficulté, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a en piste deux candidats. Qui chacun ont une structure de vote, euh, quand même assez euh, spécifique, euh, Marine Le Pen conservant la faveur de l'électorat populaire, et Éric une... Zemmour ayant réussi à attirer à lui une partie de l'électorat, qu'on va dire CSP, cultivé, euh, ayant un pouvoir d'achat euh, au-dessus de, de la moyenne, et un vote plutôt citadin, pas un vote. Euh, n'est pas la France périphérique qui vote pour Exmo. Pour l'instant, en tout cas, d'après ce, qu ce qui ressort des, des différentes enquêtes. Alors, le, il y a les, le problème, c'est qu'il y, y a deux familles, deux, deux camps, deux, deux candidats, et c'est de la jonction des deux que dépend la victoire. Alors, on a ce paradoxe terrible, c'est que jamais le camp national, pour dire les choses simplement, n'a été électoralement aussi puissant quand on additionne. Euh, Marine Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan, Asselineau, que sais-je encore, on arrive à 36, 37, 38%, un score qui n'a jamais été atteint, et pourtant jamais le sentiment d'impuissance politique n'est aussi fort, parce qu'on se dit, euh, il y a effectivement euh, ces deux électorats, qui va pouvoir faire l'amalgame, qui peut... Alors, ben, euh, Alors si personne ne s'est dégagé comme personnalité, c'est qu'il n'y avait pas... Euh, dans l'offre politique quelqu'un susceptible d'incarner ça, ou en tout cas ceux qui étaient susceptibles n'ont pas voulu euh, entrer dans le, dans le jeu, il y, en a, il y en a très très peu. Et on a une situation qui est euh, euh, qui, qui est comme extrêmement curieuse, parce que chacun agite le spectre de la défaite, mais euh, dans ces cas-là il faut faire la preuve qu'on peut le conjurer. Donc Eric est rentré en campagne sur le thème Marine Le Pen n'y arrivera pas, mais il n'a pas pour l'instant réussi à faire la démonstration que lui va y arriver. Et il n'y a pas une enquête de pignon qui ait donné, euh, ma, euh, Eric Zemmour, au second tour, un score supérieur à celui de Marine Le Pen. Pas une pour l'instant. Il y a toujours un écart de 3, 4, 5 points. Euh, donc, euh, l'argument euh, fondamental qui a permis à, à Eric de créer euh, cette dynamique euh, se trouve aujourd'hui affaibli par euh, le rapport de force tel qu'il ressort des enquêtes de pignon. L'enquête de pignon. Passé pour savoir la, la distance qu'on doit avoir à l'égard euh, des chiffres. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est la seule chose qui compte, ce sont les tendances. Voilà. Bon. Il y avait une tendance haussière très forte en faveur d'Elisemont et une tendance baissière qui euh, visiblement pénalisait le Marine Le Pen. Aujourd'hui, les tendances se sont inversées. Alors, une campagne, c'est encore quatre mois, si vous voulez, mais il se trouve que. Euh, une campagne obligée aussi à des lois médiatiques. Alors je sais bien que les médias n'ont pas toujours l'influence qu'on leur prête et qu'une partie des téléspectateurs les regarde avec une certaine distance, euh, mais ils jouent leur rôle. Et le rôle des médias, c'est de faire de l'actualité. La chaîne d'information continue est à la recherche euh, de, de, de ce qui fait l'actualité, c'est-à-dire ce qui lui permet de faire des, des journaux et d'attirer de, de l'audience. Donc elle a besoin de storytelling, de grands récits. Et elle passe d'un récit à l'autre. Raconter le même récit pendant six mois euh, fait fuir le téléspectateur. Le téléspectateur, il a envie de rebondissement. C'est comme dans la tragédie grecque. Il a envie que les choses bougent, que les passions s'exacerbent, que les affects apparaissent, que les atrides se déchirent et, 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 et s'entretuent. Euh, donc il va passer d'un storytelling à l'autre. Il est le storytelling de l'irrésistible ascension d'Eric Zemmour. Maintenant, il est à la recherche d'un nouveau storytelling. Alors, en fonction de ce que les sondages vont lui donner, il a le choix entre l'émergence d'un troisième homme ou d'une troisième femme du côté des Républicains. À gauche, c'est plus improbable parce qu'on ne voit pas ce qui peut se passer même après un retrait d'Hidalgo au profit de Yannick Jadot. On ne voit pas comment une dynamique pourrait naître à gauche compte tenu de l'étiage historique Alors, à gauche. À ce sujet, on vient d'apprendre que Valérie Pécresse euh, l'emporte pour le congrès des Républicains avec 61 a priori. Donc, contre 39% pour Éric Ciotti, est-ce que vous pensez que Valérie Pécresse pourrait gagner cette élection Et surtout, qu est-ce que ce serait un clone d'Emmanuel de, Macron ou est-ce qu'elle aurait peut-être une sensibilité de droite tout de même euh, en elle Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez, franchement, là, autant sur les, les, les grands mouvements de fond dans l'histoire des idées, même du rapport des forces électorales, je peux avoir des idées assez précises. Euh, là, euh, Valérie Pécresse me paraît avoir plusieurs handicaps. C'est une élue de l'Île-de-France. C'est une élue des Yvelines, et même euh, d'une partie des Yvelines, qui renvoie à l'image d'une bourgeoisie classique, même euh, très traditionnelle. Donc, euh, je ne sais pas, comme Anne Hidalgo, si elle est très qualifiée pour parler euh, à la France qui va faire l'élection, c'est-à-dire la France populaire, qui ne va plus voter à aucun scrutin, et qui ne conserve pas un minimum d'appétence à l'égard de l'élection présidentielle, même si on voit bien que là aussi le niveau baisse dans la participation à l'élection présidentielle, ça a été le cas en 2017 de façon déjà assez sensible. Enfin, secteur impopulaire risque d'aller voter. Je ne vois pas qu'elle soit profilée pour s'adresser à cet électorat là D'ailleurs, les indications que nous donnaient les sondages donnaient un petit avantage à Bertrand, qui était essentiellement dû à cet apport d'électorat populaire que Bertrand pouvait avoir, n'étant euh, pas un élu parisien et, et d'Île-de-France. Donc je ne crois pas que ça soit la candidate euh, idéale, voilà, pour, euh, pour, pour tout dire. Et je ne vois pas qu'elle soit en situation de faire bouger les lignes et le rapport de force euh, en reconquérant, au détriment de, de, de Zemmour et de Marine Le Pen, la partie de l'électorat Fillon qui avait déserté euh, les Républicains. Maintenant, euh, euh, tout dépendra aussi de l'investissement personnel d'Éric Ciotti euh, dans, la, dans, la, dans, la, dans la campagne. Alors, euh, euh, parce que, incontestablement, euh, Éric Ciotti euh, a une personnalité, un profil, et il tient un discours qui lui permet, ou qui permettrait euh, euh, de faire contrepoids à l'image de Valérie Pécresse. enfin, euh, ce qui compte, c'est comme le candidat, ou en l'occurrence la candidate. – Emmanuel Macron, j'ai pensé, alors, dans la fin d'un monde, vous évoquez les jésuites et leurs pensées retorses et, et alambiquées. Est-ce qu'il a un côté jésuite Il a été formé, d'ailleurs, chez les jésuites. Est-ce que euh, la droite peut survivre à sa réélection ?– ah, je pense que oui, sûrement, euh, la droite va, non, va survivre à sa réélection. Je pense que sa réélection est quand même très problématique. Aujourd'hui, il est le bon ton de dire… Euh... Les sondages lui donnent 9 points d'avance sur Marine Le Pen aujourd'hui, 54-46 à peu près en moyenne. Tous les instituts maintenant sont à peu près d'accord. Euh, il n'y aura pas, il n'y aura plus l'enthousiasme qui présidait à son élection de 2017. Je crois que si euh, Emmanuel Macron est réélu, et une élection c'est une campagne de 4 mois, il peut passer de bah, beaucoup de choses, euh, son deuxième mandat sera... Très, 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 très difficile, très difficile. Avec, on le voit bien, euh, euh, une, une force populiste et souverainiste extrêmement puissante, extrêmement puissante, qui a euh, regagné ou recolonisé les esprits euh, chez les Républicains. On le voit bien avec euh, euh, ce que la presse de gauche a appelé la surenchère droitière du débat euh, des Républicains. Je crois que ce, ce second mandat euh, sera un mandat euh, très, Délicat. Donc, je pense qu'il n'y a pas de macronisme, il n'y a pas d'enracinement, il n'y a pas de sensibilité politique macronienne. Il a occupé un espace au centre. Son premier problème va être quelle majorité. Et ce qui va effectivement euh, peut-être euh, affaiblir la campagne de Valérie Pécresse, c'est que on sait bien que euh, la majorité de Macron, la majorité législative de Macron s'il si est réélu, sera une majorité formée par des ralliements de droite pour l'essentiel où je pense qu'une partie de la droite cherchera à négocier euh, euh, la direction du gouvernement. Je pense qu'un Sarkozy sera à la manœuvre dans ce cas de figure et qu'il euh, euh, le gouvernera avec une majorité qui ne sera plus une majorité de la République en marche. Pour euh, un pays qui sera, euh, à mon avis, euh, extrêmement fracturé euh, et une situation euh, sur tous les plans. Euh, connaît les, les, les problématiques de l'heure, très, très difficiles à contenir ou à maîtriser. C'est-à-dire que euh, si réélection de Macron il y a, ce sera une victoire à la pyrrhus. Et que les mois qui suivront seront des mois extrêmement difficiles. Avec une donne politique euh, qui sera très complexe, il n'aura pas de majorité législative. C'est une quasi-certitude. Et dans ce cas, quelle synthèse pour la droite 2022 Bon, a priori, il n'y a pas d'union possible. Est-ce que vous voyez une personnalité, je ne sais pas Mario Maréchal, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, qui pourrait faire la synthèse après Et sinon, pourquoi est-ce que la France ne secrète plus d'hommes providentiels Est-ce que les Français ont envie de mourir Alors, euh, c'est vraiment la question de fond. En France, le pouvoir s'exerce euh, non pas par délégation, mais par incarnation. C'est notre tradition monarchique. C'est comme ça. Marcel Gaucher disait que... Euh, euh, c'est un concentré de religion euh, à visage politique. Il y a une dimension sacrale de la présidence, de la direction du pays, héritée de notre tradition monarchiste. Le euh, problème, c'est que les institutions, et jusqu'à présent, jusqu'à la Vème République, la République, n'arrivaient pas, n'est jamais arrivé à créer ce personnage du, incarnant le pouvoir épiphane, c'est-à-dire un pouvoir qui Mais puisse ça. cumuler à la fois l'octoritas et la potestas. L'octoritas, c'est la légitimité. C'est ce que était censé incarner les rois de France quand la cérémonie de la vigile du sacre, ce qu'on appelait la levée du, du roi dormant, où les pères de France accompagnaient cette mutation qui était censée faire passer le roi de son état mondain à l'état royal, c'est-à-dire la capacité à servir le bien commun. On disait le commun pour fille, le bien commun. Et la légitimité, l'autoritas, elle venait de là. Donc, ce que ressemblaient les rois de France, c'était le service du bien commun. C'est-à-dire une notion d'ascèse, de sacerdoce. D'ailleurs, étymologiquement, le basileus, c'est à la fois le prêtre et c'est l'homme qui a le pouvoir. Donc, cette dimension-là, la République, l'histoire en France, a montré qu'elle avait énormément de mal à euh, 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 la faire vivre euh, et que chaque fois qu'une tête dépassait, elle la coupait. Ce fut ça, l'histoire de la République en France jusqu'à la Ve République. J'ai eu récemment, par SMS, puisqu'on correspond par SMS, un échange avec Éric Zemmour. Voilà. Je dis les choses comme je les dis. Si tu crois, Éric, que le fait qu'il soit plus cultivé, ou plus compétent, tu ait une culture historique, c'est pas une de Marine Le Pen, est un avantage, tu te trompes. Je te renvoie au mot de Clémenceau, en démocratie, on vote pour le plus bête. Ah, me dit-il, mais alors De Gaulle, Mitterrand, etc. Mais, mais De Gaulle, il n'est pas il est revenu au pouvoir par le suffrage universel, il est revenu au pouvoir par l'armée, cher voilà. Et il me dit, mais 65, mais 65, justement, précisément, il a été mis en ballottage il a été réélu de justesse. Et quatre ans plus tard, les Français le congédiaient. Euh, L'histoire de Clémenceau, c'est ça aussi. Clémenceau. Le perd la victoire en janvier 2020, il est battu par Deschanel, Deschanel pour la présidence de la République. En démocratie, on va pour le plus vite Donc si tu penses que c'est un avantage, tu te trompes, tu te trompes. Le pouvoir, l'histoire de nos républiques jusqu'à la cinquième, c'est Peut-être qu'il y avait une tête qui dépasse, on la coupait. Voilà. Bon, la cinquième République instaure grâce à De Gaulle. Cette espèce de monarchie républicaine. Mais en fait, dont on a vu que le costume était taillé pour De Gaulle et que derrière, euh, personne n'est vraiment entré dedans, malgré les efforts de, de certains. Et je pense d'ailleurs à Mitterrand, qui était l'homme qui stigmatisait le coup d'État permanent. Il a essayé de se couler dans les habits du monarque euh, républicain. Mais on voit que les choses n'ont plus fonctionné après De Gaulle. Donc, ce, ce, ce problème de l'incarnation, il est vraiment essentiel. Il faut une personnalité exceptionnelle. Exceptionnel. Et on voit bien d'ailleurs ce qu'ont sanctionné les Français à chaque fois. Moi j'ai vu l'évolution de Nicolas Sarkozy. Et euh, vous savez, il avait, enfin comment on parlait, de faire une retraite dans un monastère bénédictin entre son élection et, 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 et sa prise de, de fonction à l'Élysée. Finalement, il est allé sur le yacht de. De Bolloré. Bon, mais euh, moi, j'ai dit, il y en a eu des conversations souvent à, à, à ce sujet, j'ai mais la présidence, c'est une charge, c'est une assaise. Euh, et lui, très rapidement, il n'a pas du tout conçu l'exercice de sa fonction comme ça. Vous comprenez L'expression, c'est de dire, je fais le job. Mais non, c'est pas un job, c'est une charge. Voilà. Quand on ne comprend pas ça, on est dans la jouissance du pouvoir. Et le drame de Sarkozy, c'est d'avoir donné très vite, c'est l'histoire de la rencontre avec Madame Bruni, le sentiment de jouir du pouvoir. Euh, Hollande, d'une certaine manière, euh, euh, a continué, même, euh, ces rendez-vous... Euh, – euh, En scooter. Ah, – En scooter. Euh, euh, et Macron, après avoir donné le sentiment pendant quelques semaines ou quelques mois qu'il avait compris ça, c'est-à-dire cette nécessité euh, euh, d'incarner le service du bien commun et retourner bah, finalement au modèle de ses prédécesseurs. Il est dans la jouissance du pouvoir. Il dans la comédie, enfin, on a l'impression oui. qu'il n'endosse pas le rôle oui. pleinement, qu'il s'amuse, qu'il se déguise. Qu voilà, et puis euh, effectivement, sur l'abaissement de la fonction, quelques épisodes ont frappé les esprits, la fête de la musique euh, ou autre, euh, qui font que... Là encore, la recherche euh, qui est celle, confusément, des Français qui aspirent à ça, c'est-à-dire quelqu'un qui à la tête de l'État euh, euh, intègre cette notion antérieuriste, cette notion de service de, euh, du bien commun, être au service de la France et des Français. Je crois qu'elle est très forte, la demande d'autoritas, mais pas au sens où l'entend euh, euh, la racine d'autoritas, c'est auctor, c'est-à-dire celui qui élève, élève, qui grandit, qui grandit. Bon. – Et vous ne voyez personne à l'heure actuelle ?– Alors, c'est toujours la question qu'on pose, parce qu'on est ramené à la forcément, temporalité, forcément. quel candidat, quel… Oui, bah, euh, vous êtes bien placé pour le savoir, que les, tout se passe sur le combat idéologique et culturel. Bon, et donc, il est, euh, même si le rapport de force a un peu bougé, il est encore loin d'être gagné. Hein, donc, euh, et les enfants des bonnes familles, il ferait mieux d'aller plutôt dans les écoles de commerce, dans les médias, euh, dans l'enseignement, euh, euh, là où se mène ce combat idéologique et, 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 et culturel, plutôt que de dire ⁇ Ah, quel candidat, quel candidat bah, ⁇ l'ont-ils mérité ce candidat S'il n'est pas là, c'est que d'une certaine manière... Euh, euh, ce, ce peuple n'a pas su le, le susciter. On voit bien que dans notre histoire, d'ailleurs, ça apparaît toujours des figures qui sont en situation, mais parce qu'à un moment donné, euh, euh, je veux dire, euh, la, la France les mérite ou les appelle. Ou les appelle. Alors aujourd'hui, on, on se plaint d'une situation qui peut tourner à la confusion en, se disant, en voyant les, 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 les mérites des uns et des autres et en, et en se disant euh, ce, 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 ce progrès électoral, mais ce progrès électoral, il n'enlève pas les problèmes de fond et on va arriver euh, euh, à notre sujet, qui est que la France a sous-traité la fabrique d'enfants au tiers monde. Alors aujourd'hui on vient dire ah l'immigration, mais pour l'instant quel candidat qui propose une grande politique familiale C'est pas bah, tout de maîtriser les flux, il faut aussi retrouver un taux de fécondité ou un taux de natalité. or la politique familiale c'est assez simple, elle est liée à la politique sociale, c'est-à-dire au financement, vous savez. En 1939-1938, il y a le code de la famille, en 42, la location de salaire unique, et le baby-boom commence à ce moment-là. L'allocation de salaire unique, c'était l'équivalent pratiquement d'un SMIG pour une famille de deux enfants. Donc le problème matériel était résolu. Au lieu de financer, de faciliter avec l'aide aux parents isolés les divorces, il y avait une grande politique familiale qui existait en France et qui a été euh, euh, éliminée, détruite au profit d'une politique sociale où ce n'était plus le nombre d'enfants qui euh, comptait, mais euh, la situation financière du couple ou de la personne qui avait la responsabilité des enfants. Et à partir de 1954, le gouvernement euh, Manès-France, on commence à désindexer l'allocation de salaire unique, ce qui représentait en fait une allocation de la mère au foyer ou, ou de la personne qui élevait l'enfant. Donc, euh, euh, le problème de l'immigration, il y a bien sûr fermé euh, euh, les, le, le, le robinet migratoire. Mais il y a aussi de la politique familiale, et c'est un métier essentiel. Et la politique familiale, elle a l'intérêt, elle a le mérite de couvrir tous les plans du champ politique. Le champ régalien, parce que c'est le problème de l'immigration, euh, euh, le champ euh, social, parce que l'aide aux familles, euh, euh, évidemment, est une, une forme de politique de redistribution extrêmement importante, de couvrir également le champ sociétal et civilisationnel. Si on veut mener une guerre de civilisation, il faut commencer par se battre sur les enjeux de civilisation. Et vous voyez, c'est une des choses avec lesquelles, on va en venir à, aux années 60-75, j'ai un désaccord avec une partie de notre, notre famille. Je pense, en politique, que le problème essentiel est celui de l'immigration. Secondairement, celui de l'islam. Si l'on veut diminuer le poids démographique de l'islam en France, et c'est souhaitable, bien entendu, moi bon, ça fait 40 ans, 50 ans que je défends ces idées-là, donc j'ai pas attendu qu'une majorité se rallie à cela pour euh, effectivement, euh, mener euh, ce, ce, ce combat-là. Euh, mais il ne faut, faut pas se tromper. À partir du moment où on pourra diminuer le poids démographique de l'islam, ce qui est souhaitable, parce que c'est le nombre qui crée problème, et le fait que la France soit une France déchristianisée, ou plutôt exchristianisée, pour reprendre la formule d'un sociologue, qui me paraît plus judicieuse, euh, et, euh, est évidemment essentiel. Il euh, y avait des possibilités d'assimilation et d'intégration dans les années 60 qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait un même substrat anthropologique entre le christianisme et, 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 et l'islam. Il y avait un million de musulmans. Cette cohabitation-là ne posait pas de problème. Des problèmes liés à la guerre d'Algérie. Mais entre un catholicisme ultra-majoritaire et euh, un, un islam très minoritaire, euh, ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté d'invoquer une guerre des civilisations, mais quelle civilisation défend-on La civilisation dominante, ça, ça, si on peut appeler ça une civilisation, c'est une non-civilisation. Doit-on se battre pour le droit au blasphème euh, C'est ça que nous avons à défendre face à l'islam. Euh, la loi des, des genres, les théories euh, des genres, c'est ça que nous avons à défendre face à l'islam. La laïcité, la laïcité dans la conception laïciste, c'est-à-dire en fait la volonté d'éradiquer le, de l'espace public tout le sacré et toute notion de sacré. Il y a dans le rejet de l'islam aussi, il faut pas se le dissimuler, une détestation de la dimension sacrée à laquelle nous avons renoncé et les valeurs qui étaient liées, gratuité entre elles, sens de la communauté, abnégation, une civilisation est forte de ces de martyrs potentiels. C'est Sénèque qui disait, qui néglige sa vie, dispose de celle des autres. Nietzsche a repris cette idée d'autre aussi. Euh, quand Ben Laden dit « Nous vaincrons les Occidentaux parce que nous aimons plus la mort, nous aimons autant la mort que vous aimez la vie. Bon. » Une situation qui n'est pas capable de susciter des martyrs est forcément balayée, balayée. Oui. Alors, euh, engagez, si vous voulez, moi, je dis que... Euh, 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 les musulmans mettent la, 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 la religion au-dessus des lois de la République, moi, bon, en tant que catholique, soulique, je trouve à dire, ça, c'est ce que j'ai dit à Eric, nous avons à, des, des débats là-dessus. Euh, la loi naturelle, oui, est supérieure, pour moi, aux lois de la République. Je ne vais pas faire le procès euh, à l'islam sur ce, sur ce thème-là. – euh, Sauf que le catholicisme et l'islam sont très différents de ce point de vue l'islam. – Ah est, mais ils sont très différents luxe, est, et, et, est et une, le catholicisme est, est un la... système juridique euh, oui, très construit, oui, 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 aussi bien civil qu'au pénal, là où le catholicisme porte aussi dans ses, dans ses germes, dans sa identité, le, le, le principe même de séparation du du, du spirituel. Oui, d'accord. Il n'a pas, pas, oui, pas toujours porté quand on Bien regarde l'histoire. Bon. Mais, euh, mais tout de même, il a, et, et d'ailleurs très tôt, les rois de France, essayaient de garder une influence sur le pouvoir euh, spirituel. Le, le, et... cath le catholicisme, le catholicisme et la religion historique de la France, moi je souhaite que euh, son, il retrouve. Euh, une partie de l'influence qu'il a, euh, qu a perdue. La différence fondamentale entre les religions ne m'a pas échappé, bien entendu. Mais la réalité, c'est que à partir du moment où nous avons effectivement 3, 4, 5 millions de musulmans sur le sol national, euh, euh, pense-t-on, sérieusement, pouvoir les maintenir en leur interdisant la pratique de leur religion Ce n'est pas possible. C'est pourtant ce qui a été fait en 1905 de manière très dure. Les congrégations chassées, euh, des églises fermées, des monastères envahis par l'armée, par des par des militaires. D'accord. Et vous avez et vu le résultat. Euh, bien sûr. Mais vous avez vu le résultat et le catholicisme, a, la pratique du catholicisme, s'est poursuivie en France et ne s'est pas euh, affaiblie. Bon, donc. Euh, euh, L'interdiction du culte musulman en France avec une communauté de 5 millions de personnes, c'est-à-dire une perspective de guerre civile, parce que je vous dis, ils ont une capacité à générer des martyrs que nous n'avons plus. Bon. Qui dispose de sa vie dispose de la vie d'autrui. Bon. Pas l'interdiction, mais un concordat, un, un, un nouveau concordat, bon. non pas justement une séparation, mais un concordat. Bon, alors on peut imaginer un concordat, soit très bien, celui que Napoléon va accorder aux Juifs, par exemple, bon, très bien, c'est l'exemple qui est toujours donné. Il n'en reste pas moins. Que vous ne pouvez pas rayer d'un trait de plume ces 4 millions de musulmans et euh, prétendre avoir un projet euh, gouvernemental avec une perspective de guerre civile en disant on va vous interdire pratiquement dans une période euh, tant que la négociation du compte-candan ne sera pas faite. Euh, comment va se passer le culte, etc. Il faut faire avec ça, comprimer le poids de l'islam avec la politique effectivement. qui me fait de l'immigration le problème central, central. Mais ne pas s'aveugler non plus sur les ressorts d'une certaine détestation de l'islam. Si les églises sont vides, ce n'est pas de la faute aux musulmans, c'est de la faute aux Français. Alors, voilà. justement, ça, c'est le, le thème pour, 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 le plus essentiel de la fin d'un monde. Oui. C'est comment l'homme religieux a disparu, remplacé par l'homme économique. Alors, ce livre est, je, je le précise, passionnant, bien sûr. On sait que vous écrivez bien, toujours aussi bien sourcé, aussi fouillé, ce qui est très agréable. Euh, c'est que surtout, vous ne négligez aucun aspect de l'histoire des années 60-75, aussi bien euh, les chansons, les films, la littérature, les modes de vie, le, la vie quotidienne. La télévision, la, télévision. la télévision, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas de grande ou de petite histoire, non. tout y passe, tout est une manière d'illustrer effectivement cette mort d'un monde. Euh, le monde, alors, et c'est peut-être ma première critique, euh, est-ce que c'est une... Première, on a l'impression qu'avant, il y a eu cette civilisation chrétienne en bloc, et puis qu'il y a cette rupture fondamentale. Je pense à d'autres morts qui ont été annoncées par la littérature souvent, les Boudin de, de Thomas Mann, le Guépard de Lampedusa. Euh, oui. Je pense à, à, à la marche oui. de Radetzky sur l'Autriche-Hongrie, euh, euh, au Thibaut de Roger Martin du Gard. Donc, des, des ruptures très fortes, il y en a déjà eu. Euh, Est-ce que pour vous, cette rupture-là est vraiment beaucoup plus essentielle? que les précédentes. Oui, bien sûr. Alors les ruptures, il ben, euh, euh, toujours eu. Voilà. Euh, euh, ce qui est propre à cette rupture, c'est l'accélération. Euh, euh, Daniel Allévié est le premier à entrevoir ça. Voilà. Il dit qu'il y a une accélération de l'histoire, qui rejoint d'ailleurs euh, euh, l'idée développée par les Védas dans les écritures saintes hindoues de la chute du temps. Voilà. Et, et l'accélération, en 15 ans, on assiste, c'est le thème d'ailleurs du livre de Fourastier sur les 30 glorieuses, hein, moi je m'intéresse aux 15 dernières années des 30 glorieuses, ouais, voilà. Bon, eh bien, le pouvoir d'achat est multiplié par deux ou deux et demi. Les changements euh, dans, euh, sur le plan économique, les, les modes de vie, euh, se passent sur un temps extrêmement réduit à une vitesse euh, inouïe, inouïe, qui renvoie d'ailleurs, euh, et, et c'est ça qui fait sens, à, à cette phrase de Thibon, l'accélération continue euh, est propre aux chutes, jamais aux ascensions. Et on a cette espèce d'entropie, va... on se dit, moi j'ai vécu ça, c'est ma génération, celle des baby-boomers qui est responsable de tout ça, c'est elle qui va rencontre devant l'histoire. Mais en plus, moi j'ai la responsabilité et de la génération. Ouais, écoutez, du mais moi moi j'ai créé la Corpollette Nanterre en 67 à Nanterre avec un certain nombre d'amis, ils ont été les premiers à, à nous opposer, à résister à, à ce qui montait. Et on voit bien ce courant libertaire. Alors on n'identifiait pas les choses avec autant de clarté, mais on voyait bien à quoi ça renvoyait. Et ce cycle libertaire est en train de se terminer avec la demande d'autorité, mais plus que d'autorité, d'autorité. Hein. Euh, la, la tribune des généraux, c'était ça, mais ça va au-delà de ça. C'est pas l'autoritarisme, hein, c'est une autorité qui légitime le pouvoir, en avec limite l'exercice et lui donne un sac de légitimité. Une gravité dans l'autorité. Voilà. Alors, donc, euh, oui, oui, euh, c'est en même temps euh, ce que Guénon a appelé euh, euh, l'avènement du règne de la quantité. Hein. Euh, C'est l'explosion des sciences humaines. Alors, sciences humaines. Les sciences humaines, ils résonnent sur le quantum, ils résonnent euh, sur la quantité. Euh, et, et quand on résonne sur le quantum, eh bien effectivement, on ne distingue plus euh, entre Madonna et la Madone, entre une centrale atomique et une cathédrale, entre, comme Roland Barthes, un poème de Baudelaire et un prospectus euh, pharmaceutique, puisque ça devient le critère. Cette accélération, cette concentration sur ces 15 années n'a pas d'équivalent dans l'histoire. C'est une évidence et c'est pour ça que j'ai parlé de grand remplacement en détournant volontairement la phrase de Camus pour dire mais il y a un grand remplacement qui commande tous les autres. C'est le remplacement de l'homme sacré, l'homme religiosus, l'homme éternel chez Chesterton, par l'homme sans qualité décrit par Musil, c'est-à-dire l'homo economicus, l'homme réduit à ce qu'il consomme comme marchandise et comme sexe, l'homme Réduit un bipède réduit à sa peau, hein. le philosophe euh, Redeker a inventé l'expression ego body, quoi, l'homme réduit à la surface de son corps. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si cette période est aussi l'invention du corps avec tous les phénomènes de mode et de dénudement qui l'accompagnent, le bikini, le bikini, les seins nus, euh, la déferlante pornographique, euh, l'image du nu euh, dans le cinéma qui est euh, qui commence à partir de 56, le film de Vadim médiocré créé la femme avec Bardot, où là, euh, c'est plus le nu grivois, si vous voulez, ou académique, c'est la femme réifiée, réduite à, à son état de corps sexuel. Voilà. Hein Donc la pudeur, oui. Alors la pudeur, c'est une invention du patriarcat, euh, sans doute du catholicisme aussi, ou même euh, de la tradition juive, euh, mais c'est un système de défense civilisationnelle. D'abord, l'homme défendait la femme contre le regard et les pulsions d'autrui, mais aussi contre ses propres pulsions. Donc, c'est un système de régulation sociale. La vieille pudeur va disparaître en 15 ans. Pudeur des sentiments, c'est le triomphe des émissions de mélie Grégoire, avec le discours sur soi, le débagouli sur ce qu'on a, sur ce qu'on vit, etc. Et euh, la pudeur euh, sexuelle. On montre le corps, mais le corps réduit finalement à sa seule dimension sexuelle. C'est ça, euh, Dieu crée à la femme de Vadim, c'est ça, euh, La Vérité, le film de Clouzot, le film de Louis Malé, les amants euh, euh, et d'ailleurs le pouvoir gaulliste qui vient, au, euh, qui, qui, qui s'incarne à partir de 58, c'est pas seulement un pouvoir de restauration politique, mais de régénération morale aussi. D'ailleurs, il y a toute une politique de la censure euh, dans laquelle Malraux, en tant que ministre de la culture, perd tous les arbitrages parce que on a conscience que ce média de masse qu'est le cinéma, la télévision en train de prendre place, forme, formate les mentalités. Et donc, euh, on veut protéger la jeunesse, on veut, d'où les interdictions, moins de 18 ans, moins de 16 ans, moins de 13 ans. Euh, et malheureusement, de bah, la création artistique, essaye d'empêcher ça. Mais le pouvoir gaulliste, là-dessus, est extrêmement ferme et va, pour quelques années, inventer cette machine arrêter le temps. Qui, brusquement, va te balayer par 68, et après, c'est la grande déferlante. Euh, que vous connaissez. La, par exemple, sur la pudeur, je pense à, à, à deux périodes. Me viens, et, ça, et, ça et, sera le tome 2. Je voilà, parle oui, pas oui. de la question de la pudeur dans oui, le. Oui, ce thème. que je dire, euh, j'ai été un peu frustré jusqu'au moment où vous m'aviez dit qu'il y aurait un second volet. Ouais. Voilà, euh, second, pas troisième, enfin, euh, voilà, pas deuxième. Deuxième. Pudeur, ouais. deuxième <laughs> mais il portera un autre titre. Vous ah verrez, non, ce sera trop. la surprise. Voilà. Euh, mais par exemple, sur la pudeur. Est-ce que justement, là, si on prend un peu de recul, peut-être la chose que j'ai trouvé qui manquait dans, dans, dans l'ouvrage, c'était une mise en perspective avec d'autres pays de culture occidentale. Alors, euh, je, alors pourquoi je, je, vous, je vous explique sur la pudeur, par exemple. Est-ce que justement, la France ne s'est pas toujours caractérisée, en tout cas dans certaines périodes précisément, par un rapport au corps moins... Enfin, plus libre en tout cas que le monde anglo-saxon. Est-ce que justement l'espèce de puritanisme qui commence au XIXe siècle et très essentiellement à la Révolution d'ailleurs, avec un retour des, des vertus antiques, euh, n'est pas totalement étranger à la culture française Est-ce que vous n'avez pas finalement tout mis dans le même bloc révolutionnaire, en, 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 en oubliant sur le plan de la pudeur bah, que le XVIIIe siècle, est, bon, euh, Fragonard, Boucher, ça concernait une partie. Bien sûr, de la société, pas toutes, mais je pense aussi à la fin du XVIe siècle, où les, les vêtements des femmes étaient encore plus dénudés. Enfin, c'est invraisemblable. On, je pense qu'on n'aurait pas l'équivalent aujourd'hui. On avait presque les, les organes génitaux à l'air du côté féminin. Bon, il ne fallait pas regarder, mais c'était très surprenant à, à nos yeux. Donc, est-ce qu'il n'y euh, a, a pas un, une volonté, finalement, de tout mettre dans la boîte, parfois Non. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Et, et vos objections ne sont qu'en partie recevables. D'abord, le monde anglo-saxon. Oui, alors il faut voir ce qui se passe dans le monde anglo-saxon au même moment. D'abord, le reproche qui consiste à dire, oui, il a fallu jeter un regard sur l'étranger. J'en suis déjà à plus d'un million deux cents mille signes pour chaque volume. Bien, non, Donc complet. il faudrait que j'en écrive deux ou trois autres supplémentaires. Mais ça, on pas. Pas, ne peut pas évidemment tout faire euh, tenir dans un livre. Maintenant, l'esprit du système qui consiste à dire j'ai trouvé... Un fil conducteur qui fait sens et qui me permet d'expliquer, bien sûr qu'il est présent quand on, on, on fait des recherches comme ça et qu'on veut développer une thèse, et qu'on a, on a tendance parfois, effectivement, à vouloir ranger dans tout le même système de sémiologique, si vous voulez, des choses qui n'y rentrent pas forcément. Mais je vais, vous, je vais vous dire pourquoi vous vous trompez. D'abord, euh, il y a une tradition française qui est une tradition je veux dire, de gaillardise. Voilà on aime, aime l'amour on aime voilà parfait mais Érotique, il faut voir que chaque, voilà. chaque période chaque période de licence dans notre histoire a toujours été suivie d'une réaction puritaine de main extrêmement violente et une réaction féminine le néo-féminisme que nous n'avons pas venu venir est une réaction puritaine ça renvoie d'ailleurs à oh, l'essor du christianisme, qui au départ est une réaction aussi contre la débauche romaine, euh, 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 au roman courtois, qui est une réaction contre la débauche euh, rabelaisienne, si vous voulez. À la préciosité, qui est une réaction à la débauche de la cour d'Henri IV ou de François Ier, réaction féminine, et j'allais dire presque féministe déjà. Donc, dans l'histoire de France, penser qu'il n'y a que la tradition gaillarde de la bonne chère, ce n'est pas vrai. Toujours. Et, et voyez ce qui se passe après le directoire également. Il y a toujours une réaction de ce type. Et la grande différence, qui ne renvoie pas du tout à cette culture française, cette rabelaisienne, Gaillard, Gaillard, si vous voulez, Gaillard, voilà, l'amour, le bon vin, etc. C'est que le corps de la femme, je vous dis, n'est plus exposé dans sa globalité. Moi, c'est ça qui me frappe. Euh, c'est euh, l'entièreté du corps féminin disparaît au profit d'un dépessage fétichiste. Les seins, les jambes, qui fait que c'est une collection de morceaux, de pièces détachées qui sont, hein, souvenez-vous, du fameux dialogue culte de Godard dans le mépris, et mes seins, tu les aimes mes seins, et mes fesses, comment tu les trouves mes seins, etc. Ce n'est plus le corps humain dans sa globalité, son entièreté qui est offert à l'amour ou même à l'envie de l'homme. C'est une collection de morceaux. C'est une approche, je veux dire, de chosification et de réification du corps qui n'a rien à voir avec la vieille tradition française de l'amour, même de l'adoration du corps féminin. Le corps féminin perd son entièreté sous la caméra de Godard, sous la caméra de Vadim, sous la caméra de la Nouvelle Vague, qui le dissèque et le dépêche. C'est un assemblage de morceaux. Et d'ailleurs, tous les dialogues de ces films renvoient à cela. Il y a une, un post dans le film de, de Vadim, 56, et Dieu crée à la femme, et un paysan qui regarde en Bardo, lui, euh, euh, elle a le cul qui chante. Mais on s'intéresse aux parties, et on ne s'intéresse plus. À l'être dans sa totalité. Et ça, vous voyez, ce système qui consiste à exciter le désir à le réprimer, les est purement anglo saxons C'est la pratique américaine. Et c'est d'ailleurs ce que va faire Giscard en supprimant l'ascension avec son ministre de la Culture, Michel Guy, et en même temps en créant le système des, des salles X avec une fiscalité qui punit. C'est-à-dire, on attise la convoitise et on punit par une, une imposition et un taux de TVA euh, beaucoup plus élevé que pour les autres. Alors, vous voyez, on peut se dire au départ. Oui, mais là, tu forces le trait, parce que... Etc. Et puis, en réfléchissant et en regardant les choses, on voit que la rupture, elle est anthropologique. Elle est dans la conception de l'homme et de la femme. Elle est dans la rupture totale avec le monde chrétien. C'est ça. Alors, est-ce que donc, c'est un phénomène civilisationnel J'ai bien compris, oui. vous ne pouviez pas, et voilà. Donc, est-ce est que ça concerne l'Occident D'abord, comment vous appelleriez cette civilisation Peut-être qu'il y a un avant et un après années 60, justement. Est-ce que c'était la civilisation chrétienne et ça devient la civilisation occidentale C'est-à-dire, justement, il n'y a plus d'identification vraiment possible. On ne sait pas comment définir la civilisation. Mais si on la crée par le processus qu'elle enclenche, c'est un processus de dé-civilisation. De décivilisation Parce qu'on ne sait pas nommer ce qui vient par la suite. Parce que, précisément, effectivement, la chrétienté, le christianisme... Euh, donnait une, une gestalt, une conception globale, une vision globale de l'homme et du monde, c'est cette vision globale qui est détruite ou remise en cause, remise en cause. Elle est remise dans tous les aspects. Et donc, le fait que la sexualité est un des révélateurs de l'évolution des mentalités, sans doute parmi les plus importants. Le fait de l'avoir euh, euh, sottement négligé, comme, euh, disait l'échec bourgeois, avec une certain, certaine forme de, de, de puritanisme, simplement il fallait lui rendre sa place, mais euh, euh, la révolution sexuelle en elle-même, elle n'a elle elle pas porté simplement sur la libération des corps, ça serait trop simple, elle a porté sur le la négation. De l'intégrité du corps humain et ce dépessage fétichiste dont, que j'évoquais tout à l'heure. C'est par hasard si apparaît la mode de la mini-jupe, justement. Euh, D'ailleurs, euh, l'attrait, la, la, la fascination mâle pour les poitrines, les, les, les protubéros mammaires, qui faisait que le cinéma américain avait une grande influence sur, le, sur les esprits. Euh, euh, Jeanne Mansfield, euh, euh, Marilyn Monroe, pas seulement, ou en Europe, gina Lolo Brigila, fait que euh, les, les, les zones érogènes se déplacent. Ce sont les jambes, à partir des années 70, vous voyez, la mode des mini-jumes consacre euh, l'apparition d'une nouvelle zone érogène dans l'imaginaire fantasmatique euh, des hommes. – Mais qui est ancien, il y a eu les aisselles au 19e oui, y a eu la oui, mais pour mais les hommes. – Oui, oh. c'est vrai, mais attendez, mais vous négligez une chose, c'est que là, il y a des outils de culture de masse, que sont le cinéma et la télévision, qui rendent le phénomène euh, euh, beaucoup plus euh, diffus par coalescence, si vous voulez. Alors, justement, ce qui est fascinant, si on regarde, cette révolution a eu lieu avec quelques différences temporelles, à peu près, effectivement, dans tous les pays Partout. occidentaux. Pasolini décrit la même chose. Exactement. On Pasolini, en nommant le nouveau fascisme qui vient. Le, le, euh, dès que Franco disparaît, c'est pareil. En oh, Espagne, vrai, euh, quel que soit le régime politique, quel que soit... Euh, le, le pouvoir religieux, même on a l'impression que ça arrive de la même à une façon une exception près quand même. Partout. À une exception près. Les pays d'Europe centrale, oui. Qui ont été parce qu'il y a eu le communisme. Parce qu qu'il qu y a eu le communisme et parce que l'Église et le clergé ont résisté. Alors c'est peut-être simplement un effet retardataire, mais le fait de dire... Euh, c'est la, la grande critique de Clavel dans son livre Dieu et Dieu nom de Dieu. Vous n'êtes pas allé au monde, vous êtes rendu au monde. Le fait de ne pas se rendre au monde retardait Alors, ce processus. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est là où je suis partagé. Sur les pays communistes, justement, je trouve qu'on assiste à un mélange, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement protégés sur le plan de l'identité, de la famille, de, de bien. Mais en revanche, euh, le, le côté homo economicus, le côté euh, euh, parfaitement euh, euh, qui, euh, détruit par le marché, on le voit aussi en Russie, on le voit aussi ah ben ah ben, on, la, est on est bien d'accord. Et on est bien d'accord, on le voit aussi d'ailleurs à l'intérieur de l'islam, cher ami, euh, où, où la marchandise commence à trouver euh, sa place, et là aussi, euh, c'est un islam pour partie euh, reconstitué, avec et le salafisme qui est en train de, 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 de se développer, notamment en Occident. Oui, bien sûr, alors là, c'est le vieux débat sur le, sur le libéralisme, là, il faudra convaincre votre ami. Euh, euh, Marion Maréchal que... Euh Michel n'a peut-être pas entièrement en tort lorsqu'il dit que le phénomène libéral est un phénomène insécable ah oui. et que le, le libéralisme culturel est euh, euh, contenu dans le libéralisme économique et qu'il y a effectivement euh, un enchaînement logique et dynamique en, entre les deux. Et évidemment, je vois bien ce qui se passe dans les pays de l'Est, je ne suis pas aveugle. Mais le fait que l'Église ait résisté a permis au moins de freiner euh, le, le, le processus et le phénomène. Donc, et vous, vous savez, pour des millions de, de vies, de pour des millions de vies qui ont été protégées par ces poches de résistance, c'est pas anodin, ce n'est pas anodin !– Mais donc, les meilleures poches de résistance, l'Église, pour vous, l'Église, la religiosité, ou l'Église précisément, et si oui, plus l'orthodoxie, plus le… – C'est compliqué parce que, je veux dire, l'ex-christianisation, c'est-à-dire ce processus qui voit une partie du clergé chassé de l'Église, le catholicisme populaire, parce que trop ritualiste, parce que trop attaché aux fonctions rituelles, euh, comme si le, le, le besoin et le goût de rite ne faisaient pas partie du génotype humain. Euh, euh, ils n'ont pas compris, ces braves curés, que c'est les rites qui mènent à la foi, et bien le chemin inverse. Bon, – eh Et c'est euh, comme ça d'ailleurs que les classes populaires ont déserté les premières, les églises. – Mais c'est exactement ce que je raconte et dans et la fin de la voilà. monde, ce, la destruction de ce catholicisme festif. L'église avait un millénaire d'avance, dans la fabrique de la socialité, c'est elle qui a tout fait, les écoles, la Sorbonne, les Lazarets, à mon époque c'était les patronages, les scouts, les corps vaillants, etc. Euh, elle renonce à tout ça. Alors qu'elle avait le secret de la fabrique de la socialité, euh, ce qui a fait la force de l'Église, c'est pas. Quelle était une force de régulation sociale C'est pas la critique qu'on fait toujours de ah vous avez une conception morassienne de l'Église, c'est l'Église de l'ordre, etc. Non non, ce qu'a fait la force de l'Église et ce qui euh, le mérite notre admiration, cette capacité à créer du lien, c'est-à-dire au sens propre de la religion, relie, garée, ce qui relie. L'Église savait faire et mieux que toute institution, elle a fait. Elle est à la fois religion du sol et religion du ciel. Religion du sol parce que la liturgie, comme vous le savez, était calquée sur euh, la, le, monde, le monde agraire, le monde rural, l'économie rurale, la, la liturgie des quatre temps, euh, et religion du ciel, religion microcosme et religion macrocosme. Microcosme parce qu'elle reliait les hommes entre eux et macrocosme parce qu'elle reliait les hommes au ciel. Micro et macrocosme. Passionnant sur Vatican II, sur la réforme... Et, 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 On et, et au appris. moment où l'Église, qui est riche de ce patrimoine extraordinaire, pouvait transmettre ça, eh bien, au moment où toutes les... organisations séculières cherchent à l'imiter, l'Église prétend aller chercher des leçons de socialité chez les marxistes. C'est quand même fabuleux, quoi alors que le, le, le PC prend euh, euh, la, la vieille, vieille sociabilités robustes du catholicisme qui accompagnait l'homme du, du berceau au cercueil, à la tombe, c'est-à-dire que l'homme était accompagné, il n'était jamais seul, jamais seul, à aucun moment de sa vie, eh bien, euh, l'Église va abandonner ça, alors qu'elle avait une supériorité, je j'allais dire, historique sur toutes les autres institutions, et que euh, c'est le moment qu'elle choisit pour se délester de ce qu'on appelle les œuvres. On ferme les écoles chrétiennes, euh, tous les mouvements de jeunesse euh, commencent à péricliter, tout ce qui faisait les bonnes soeurs dans les hôpitaux, toute la socialité chrétienne va disparaître en 10 ans ou 15 ans. Mais c'est pas parce que la société civile lui a demandé de disparaître, c'est parce que ce sont eux qui sont retirés. Il faut bien voir ça la responsabilité du clergé français, en tout cas de l'épiscopat français, parce que tout, il ne faut pas ranger du clergé dans une seule catégorie, il est prêtre absolument formidable, je pense au Dominicain Serge Bonnet, euh, le sociologue de, du catholicisme festif et populaire, je pense à Daniel Lou, qui est un homme qui voit très bien ce que, euh, dans, dans un livre comme euh, La prière, euh, l'oraison de problèmes politiques, pardon, euh, voit bien qu'en voulant euh, combattre ce christianisme sociologique, ce de tradition, et en même temps essayer d'éradiquer les racines païennes qui avaient été christianisées. C'est ce que disait l'historien Le Roi Ladurie en voulant extirper le, les traces de paganisme du christianisme, cest à la dimension festive, les cultes des saints, les fêtes votives, les, des, des, des fontaines guérisseuses, rogations, tout ce qui était l'emprunt à la vieille culture païenne, eh bien vous allez tout tuer, disait Daniel Lou, car le paganisme, c'est la première évangile de l'humanité, c'est-à-dire le premier message qui s'adresse euh, au besoin de transcendance. – Une autre de spiritualité. chose que j'ai apprise dans votre livre c'est que le, le, la célébration face au peuple n'était pas contenue dans le, dans, le, dans le concile. Ça a été oui. en fait intégré euh, donc dans le nouveau missel de Paul VI. Exactement. – En 69, voilà. ça et donc on a arraché dans toutes les églises de France, les anciens hôtels où parfois on les a laissés, mais on a, on, on a replanté au milieu du chœur, euh, alors que ce n'était même pas une exigence... Communique. Avec, euh, Vous savez, l'attachement au rite, au, au symbole, c'est ce qu'il y a évidemment de... C'est pour ça qu'il faut distinguer le sacré du religieux, évidemment pas tout à fait euh, la même chose, mais il fallait voir que nous avons une tradition historique. Cette tradition historique était fondée sur... C'est une tradition populaire qui fait que le christianisme euh, s'était euh, inculturé par la fête. C'est-à-dire par la constitution de ce lien social et par euh, ce qu'il ce qu impliquait, c'est-à-dire l'emprise spatiale de l'Église euh, sur le, la, 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 le, le village, la ville, euh, la communauté. Tout ça, en l'espace de quelques années, l'Église y a renoncé. Et en y renonçant, euh, elle a touché quelque chose qui allait euh, euh, au-delà d'ailleurs du, même du sacré du religieux, c'est-à-dire le sens de la communauté euh, et du sentiment d'appartenance à un groupe. À une histoire. Je vais, je vais être très, très dur, Patrick Buisson. Est-ce que finalement, le seul espoir, c'est lorsque, justement, la génération de, du baby boom qui a entraîné, qui a accompagné cette révolution-là, n'aura plus. Elle n'a pas accompagné, le, elle en a été le vecteur, l'agent et vecteurs, le vecteur. Exactement, l'agent et, et, et le défenseur encore aujourd'hui, oui, très largement. Oui. Et est-ce que finalement, il n'y a rien à espérer avant qu'ils aient vraiment quitté le, le pouvoir Écoutez, on peut voir les choses comme ça, donc... Euh, alors évidemment, euh, dans cette génération, tout le monde n'a pas œuvré dans, sûr, dans je le je même sens. Enfin, je elle elle de... a pris le pouvoir et elle l'a, de fait, vous le savez, jamais lâché. Aujourd'hui, vous voyez que euh, euh, le cœur, alors je ne parle pas des élections intermédiaires, où là, il constitue la majorité euh, des votants, mais euh, euh, l'âge médian, c'est euh, au-delà de 50 ans, et que ce sont les retraités qui font l'élection présidentielle. Euh, il y a 14 millions ou 15 millions de retraités. Euh, ils votent pour la conservation des intérêts acquis durant leur vie, qui sont considérables. C'est le problème. Euh, des sociologues ont écrit sur ce sujet en montrant bien qu'à quelques années près, moi je suis la génération Béli des Dieux. Euh, quand on arrive sur le marché du travail, il n'y a pas de chômage, il n'y a pratiquement plus de services militaires, en tout cas, il n'y a plus la guerre d'Algérie. – L'immobilier euh, n'est pas et, cher. – L'immobilier n'est pas cher, accès à l'université ou à la fac, euh, euh, le nombre d'étudiants est multiplié pratiquement par 7 ou par, ou, ou, ou par 8, cette génération a pris le pouvoir, en fait, elle ne l'a jamais lâché. Et elle est aujourd'hui, elle a fait l'élection d'Emmanuel de Macron, Bien euh, sûr. et ces 15 millions de retraités, euh, euh, vote à 90%. Le différentiel de participation avec les classes populaires est énorme. Donc, leur poids spécifique dans un scrutin comme celui de la présidentielle est un poids décisif. Personne ne peut être élu en France, si c'était le problème de Marine Le Pen d'ailleurs, euh, s'il si, euh, euh, n'acquiert pas au moins un tiers des, des retraités. Personne, personne. Donc, cette génération-là, oui, euh, euh, a construit un écosystème qui est un égo qui est la défense de ses intérêts propres. Alors, on le voit par les charges qu'elle fait peser euh, sur la nation, mais après tout, je veux dire, euh, tout ça rentre aussi euh, le devoir des jeunes générations à l'égard des anciens dans une civilisation chrétienne, c'est évidemment fondamental, mais c'est pas comme ça que l'entendent, évidemment, la génération des baby-boomers euh, aujourd'hui. Il y a... Sur le principe, il n'y a pas lieu de se scandaliser. Le problème, c'est que euh, le nombre d'actifs pour financer les retraites n'a cessé de diminuer, que parmi les grands phénomènes des années 75, 65, il y a l'effondrement démographique, hein, ce que Chaunut résume, troisième session du Concile, chute, quand de l'espérance chrétienne dans les sondages, on passe de 60 à 40% de personnes interrogées qui répondent croire hein, dans un au-delà. Alors, pas forcément l'au-delà chrétien, parce qu'ils ont une notion euh, parfois imprécise, mais en l'espace de 10 ans, 10 millions de Français deviennent des sociétaires du néant. Ils disent non, on ne croit plus. Au Aujourd'hui, vous avez vu le dernier sondage 51% des Français ne croient plus en Dieu. Et là, le grand basculement, l'instant du malheur, dit Chonu, c'est ça, 65. Dernière session du Concile, début de l'effondrement de la pratique religieuse, tout ça a été abondamment documenté par la cartographie de Boulard, très bien reprise, explicité par le livre de Cuchet Comment ce monde a cessé d'être chrétien. Et en même temps, effondrement démographique. L'élan vital disparaît en même temps que la croyance en Là, une vie après la mort. Le taux de fécondité devient inférieur au, re au renouvellement. C'est revenir 77, enfin, si je ne me trompe pas. Oui, 1937. mais je veux dire, l'effondrement, le, 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 c'est 65, avant la pilule, avant la loi Neuwirth, avant même ça, les effets la de la contraception. Euh, passe à moins de euh, il y a une corrélation, en tout cas chronologique absolue, entre la fin de l'espérance chrétienne comme élément de... De, de construction de façonnage des esprits et la fécondité des femmes c'est comme ça alors on peut dire c'est une correspondance c'est une concordance c'est une coïncidence où on peut corréler les deux mais effectivement c'est élan vital de l'occident de l'occident euh, économiquement riche hein, je parle pas euh, alors je parle pas des pays de l'Est euh, préservés par <laughs> par la domination euh, soviétique euh, euh, tous nous à ce moment là 65 c'est la date Clé, et, et, et on fait un choix, effectivement, on va faire le choix de ne plus faire d'enfants. Donc c'est cette même génération qui va dire, ah oui, il y a trop d'immigrés, ah oui, il y a de l'insécurité, ah, il n'y a plus assez d'actifs pour financer euh, nos retraites, formidable, et qui en même temps désertait les églises. Bon, donc euh, 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 on ne peut pas faire porter la responsabilité de ce qui nous arrive sur l'islam et les musulmans. c'est pas possible. Ils ont profité d'un vide, d'une faiblesse. C'est le miroir insupportable. Il nous renvoie l'image de toutes nos démissions. Nous ne sommes plus la civilisation chrétienne que nous avons portée, auquel, à laquelle nous sommes identifiés. Donc dire, voilà, le mal est là, il faut le combattre. Ah oui, mais certainement qu'il faut combattre, euh, contenir la montée de l'islam. Ah oui, mais certainement que l'immigration est le problème central. Mais enfin, si on ne refait pas cette. Euh, euh, on remet pas en cause ce processus et si on ne comprend pas que nous avons une part de responsabilité nous les baby boomers historique dans ce qui est passé ce qui s'est passé ben oui donc on va, on va continuer à dire ben c'est pas de notre faute et bien sûr que c'est notre faute et aujourd'hui on ne peut pas simplement dire... Euh, euh, réglons le problème de l'islam et tout ira bien, bien sûr que non. Il y a dans euh, l'islam, je veux dire, une dimension sacrée qui échappe totalement, non seulement qui échappe, mais qui est l'objet d'une haine de la part de la, de la société moderne, de la modernité. La modernité, c'est ça, c'est un processus de destruction et d'annulation, de neutralisation du sens. C'est l'abaissement de l'essence spirituelle de l'homme, de cette vieille aspiration aristocratique que définissait très bien ce qui disait. La finalité, finalement, c'est de sortir de ce monde en créature plus haute que nous y sommes entrés. Sortir de ce monde en créature plus haute que nous y sommes entrés. La modernité n'a pour objectif que de détruire cela. De même qu'elle, par exemple, on l'a vu avec le Covid, qu'elle détruit la fécondité métaphysique de la mort. Qu'est-ce que c'est que la crémation C'est l'annulation de la figure allégorique de la mort qu'était le squelette. C'est le processus engagé par la loi Veil, celle-là de 76, qui autorise la libre circulation des cendres, décret de Simone Veil en avril 76. On connaît la première loi Veil, on méconnaît celle-là, j'y consacre pratiquement tout un chapitre. Donc, le processus la crémation représente à l'époque 0,2% oui, des sépultures. Et en 75, il y a 30 reportages, il y a 7 columbariums sur les chaînes de télévision. J'ai regardé tout, je suis allé chercher pour voir comment les choses se sont passées. Eh bien, le processus d'invisibilisation de la mort, de désacralisation, de désocialisation, si bien décrit par mon maître Philippe Ariès, historien des mentalités Donc, qui a fait lui seul le travail compliqué. des annales euh, sur la famille et sur, et, et sur la mort, la pornographie de la mort, la mort tabou suprême, Cette, ce, ce processus de désacralisation qui doit, fait que la mort doit devenir invisible parce qu'on veut qu'elle perde toute fécondité métaphysique, c'est-à-dire qu'elle n'interpelle plus l'homme dans la question de sa finitude, et forcément. Euh, à partir des années 65, il y a plus de gens qui croient dans la mort finitude que dans la mort résurrection du christianisme. – J'y viens, je disons, la mort, On, je vous posais la question tout à l'heure, finalement, est-ce que les Français veulent mourir, plus largement euh, l'Occident Est-ce qu'il n'y a pas un, quelque chose presque de, de psychanalytique Est-ce est qu'il n'y a pas un abandon au, euh, en se disant, après la Seconde Guerre mondiale, après, après l'ignoble guerre civile européenne de, de la Première Guerre mondiale qui a été une tragédie et je pense que toutes les familles de français d'origine ont, 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 ont dans leur famille des gens qui sont tombés sur le front, l'abomination de la seconde guerre mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où l'Occident finalement tout simplement se, se laisse mourir Et, et, et est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir C'est vrai qu'on on peut se poser la, 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 la question, mais il y a aussi la perspective de la, de la convulsion, du sursaut de, de celui qui ne veut pas, qui ne veut pas mourir. Mais faut-il qu'il soit... Arriver qu'il accède au stade de l'agonie pour avoir euh, ce sursaut, on a le sentiment effectivement d'une agonie qui se prolonge euh, euh, indéfiniment et on se dit ils vont bien finir par euh, réagir. Mais voyez par exemple, euh, ce qui est certain, c'est qu'on est en train de terminer un cycle, là le grand cycle du progressisme, euh, c'est-à-dire de la les, le, le, tout le monde euh, vit le décalage entre la, la, la promesse de bonheur, le bonheur euh, réel et le bonheur vécu. Alors, avec l'histoire de la pandémie, évidemment, euh, euh, on voit que la science a des limites. Le siècle, euh, le, sexe, le sexe, celui du positivisme, moins de science, plus de croyance. Alors certes, il n'y a plus de croyance, mais la science ne résout pas tout. Les gens touchent la limite. Il est très symptomatique de voir que si au moment où on se posait la question de sauver des vies humaines, euh, et où notre condition de mortelle nous était rappelée par le, 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 cro le croquement en chef qui était M. Salomon qui égrenait le nombre de morts de chaque soir à la télévision, eh bien, au moment où notre condition de mortelle nous est rappelée brutalement, euh, le Parti Socialiste dépose une proposition de loi sur l'euthanasie pour réaffirmer la puissance théorique de l'homme sur la mort au moment où elle lui échappe le plus, où cette puissance, effectivement, est humiliée par euh, le retour d'un événement régressif, moyenâgeux. Et donc, là, on a payé la sortie du religieux. Là, on a, on a, on a payé le, 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 le désenchantement du monde, cher à... Enfin, cher, en tout cas, exposé par Weber, Weber et, et euh, euh, dans des conditions qui font que, alors que les grippes de Hong Kong et les grippes, euh, la grippe asiatique, 20, euh, 50 ans auparavant, avaient fait, pour la première, 30 000 morts en deux mois, comme la première vague du Covid, sans euh, déclencher ce phénomène de panique, euh, 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 jamais la perte de sens... N'a été aussi sensible depuis la Seconde Guerre mondiale que lors de cette crise de la pandémie. Elle illustre parfaitement le propos que je cite souvent de Bernard Charbonneau, formidable penseur de l'écologie anti-moderne. Il dit si Les, la les la siècles classée, anciens politique. connaissaient les malheurs, nous, nous connaissons le malheur. Et le malheur, c'est de voir, ajoutait Charbonneau, que certes, on pouvait faire le procès à la religion, le borner le, 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 les individus, mais en même temps, les religions le, ou le catholicisme ont dissimulé l'abîme. Aujourd'hui, il n'y a plus rien entre l'abîme et nous. Plus aucun système de sens ne fonctionne. Et notamment le grand système de sens qui était le catholicisme. Alors justement, vous citez Charbonneau, on a parlé de Pasolini, euh, on pourrait parler de Jacques Ellul, on pourrait parler euh, sur la technique, et sur, euh, on pourrait parler euh, d'Albert Camus, même à sa, sa manière, bien oui. sûr. Euh, beaucoup de choses ont été écrites. Aussi bien par des sociologues, des penseurs, des historiens sur justement cette grande rupture de, de ces années-là. Et pourtant, je n'arrive la vôtre étant la somme, je trouve la plus complète au sens historique sur la France. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre l'origine de ce basculement. Pourquoi c'est arrivé là Est-ce que c'est un nouveau système économique Est-ce que c'est ça a été pensé par des déconstructeurs, les, 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 les French Theory, Je, je n'arrive pas à mettre le doigt. Est-ce que vous avez une idée, vous, parce que vous n'abordez pas vraiment ce sujet sur les, les, les causes profondes C'est très difficile. Ah ben bah hein, les, 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 les causes profondes. La déchristianisation, bien sûr, mais d'où vient-elle Parce Alors, que je veux dire, est-ce qu'il y a une... Ah bah volonté, d'abord ?– je, oui, mais la, la, la déchristianisation, le phénomène majeur, c'est la révolution consumériste, la révolution économique, avec un, un média de masse qui est la télévision, qui va avoir un pouvoir de reformatage des esprits, comme aucune institution, aucun État n'avait pu en disposer dans l'histoire. Prenez un amendement épiscopal au 19e siècle, c'est 100 fois moins de pouvoir et d'influence qu'un poste de télévision en 1965 dans un foyer rural. Hein, vous comprenez Je dis euh, dans, de, dans la préface que la lumière bleue de la télévision remplace la, la petite lumière rouge de... du tabernacle. Du tabernacle. Euh, bah, bah, oui euh, 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 La révolution consumériste, c'est que finalement. Alors que le capitalisme, je renvoie là aussi à Weber et, et, et à la dimension chrétienne ou protestante du premier capitalisme, le capitalisme entrepreneurial, participait d'une anthropologie chrétienne. C'était celle de la satisfaction différée. Au fond, c'était le même schéma. L'investissement capitaliste, c'était l'investissement chrétien. Nous connaîtrons le bonheur et la félicité dans un autre monde. Ce qui vaut que dans notre vie terrestre, nous renoncions à la jouissance de certains biens euh, et que nous nous sacrifions pour les générations à venir. Le même schéma anthropologique spirituel, le même appel à la transcendance a fait que le capitalisme euh, s'est développé, c'est tous les travaux de Weber, sur cette anthropologie chrétienne. Et la grande rupture, le phénomène fondamental, la source de tout, l'explication de tout, c'est la rupture du capitalisme avec ses origines chrétiennes, le passage... À un capitalisme financier de rendement et de rentabilité immédiate, les retour spéculatif, le, le, le compulsif, hein, la demande de, 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 de retour sur intérêt immédiat, qui rompt avec l'anthropologie chrétienne. Et le consumérisme, c'est ça, c'est on s'identifie aux choses, c'est euh, le livre de Pérec, les choses, euh, dont Bourdieu, dans un esprit marxiste, a quand même bien montré que l'achat euh, euh, des choses, ce n'était pas l'achat de la consommation, c'était l'achat d'une gratification. C'est l'identification de celui qui achetait, à l'objet qu'il achetait. Hein. On n'achète pas un l'ame Burberry ou un foulard Hermès euh, par hasard, parce que on, non, on entend une gratification sociale, hein, une plus-value en matière de statut ou de considération de sa propre personne. Donc il y a un autre système de croyance qui se met en place avec, effectivement, une, euh, 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 un conflit. Et c'est là où l'Église fait le mauvais calcul, c'est-à-dire qu'elle pense que il lui faut tenir compte des possibilités, euh, des, du déplafonnement, des possibilités de bonheur terrestre que représente la révolution consumériste décrite par Forastier, l'enrichissement général, l'accès à des biens euh, que, dont l'on peut profiter auparavant. Euh, c'est là où l'Église se trompe parce qu'elle va faire le mauvais choix stratégique en se banalisant et en se mettant finalement euh, dans le rôle de producteur de biens symboliques comme euh, euh, peuvent l'être les grandes marques, par exemple, sur le marché des croyances. Mais le problème, c'est qu'effectivement, euh, elle ne va pas soutenir euh, la concurrence. Toute la vieille idéologie sacrificielle du catholicisme, le renoncement, la jouissance des biens... Terrestre, euh, la culpabilité chrétienne, c'est l'époque de la diffusion de la psychanalyse en France et en Occident. Et donc, euh, le christianisme est rendu et conçu ou appréhendé par tout ce monde économique qui se met en place, il n'y a pas besoin de grands complots, hein, euh, comme un obstacle et un frein à la consommation. Les, les tauses chrétiens, l'éthique chrétienne est en opposition totale avec les nouveaux canons. Du fonctionnement de l'économie. Donc, euh, le, 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 le trou noir, il est là. Il est dans la mise en place d'un système économique, d'un capitalisme financier qui a rompu. Euh, et Pazoni lit très bien, il, lit, on, il ne produit pas que de la marchandise. Ce capitalisme, il produit une nouvelle humanité, un nouveau type euh, humain, l'homo economicus, dont on parlait au, au début de cet entretien. Donc, la rupture, elle est là. C'est évidemment. Euh, C'est ce qui conditionne tout le reste, avec le formidable appareil de la, de la, de la télévision. Moi, je suis allé regarder jusqu'au feuilleton de 19h40, le feuilleton de 13 minutes. C'est une grande uniformité idéologique. Tout va dans le même sens, c'est-à-dire. Oui, on, on découvre cela, c'est qu'en fait, on, alors qu'on a une image de télévision très neutre, etc. De ces années-là, en réalité, mais tous les réalisateurs messages... appartiennent à la gauche progressiste. Ce sont donc des militants communistes, comme Léonie, comme Blouval etc. Ils sont tous, tous sont formatés là-dessus. Et on, dit, on a l'image de la télé mais rien du tout. La télé c'est contrôler le journal télévisé. On y a vu apparaître perfide. On se dit ah, c'est scandaleux le général. Mais pour le reste, bataille culturelle perdue par la droite. D'ailleurs, l'université la, 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 est, est quasiment marxiste. Il y a quelques arrondiens à l'époque. Et là, cet outil-là. La droite n'a pas su l'investir, la droite n'a pas su créer, la droite n'avait pas... Et pourtant, elle avait des talents, elle avait... Il euh, y a une génération, encore, les, les derniers romans, les, 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 les œuvres théâtrales, thé... enfin, est... Euh, on est dans les années encore des hussards, de, de Nimier, de, 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 de Blondin, de Laurent, euh, de Hanouille au théâtre, de Monterland... Euh... Ou d'ailleurs, blondin est encore adapté au cinéma où, dans les films de où, Oui, Où sont-ils sur les, les sur les écrans. On a, Oui, oui, il y a encore, non, ça, il y a encore ça. ça, il y a encore ça. Mais à la télévision, non. À la télévision, rien de tout ça, rien, rien. rien, rien. Et justement, là, là, coup sur coup, en France, on a eu deux films qui sont sortis Bac Nord et Illusion Perdue. Illusion perdue, est-ce que c'est pas. J'ai vu une ni l'un ni l'autre, donc, ah, mais c'est pas grave. Bah, Illusion perdue, voilà, une belle. Euh, voilà, c'est une très belle adaptation de, de, du roman de, de oui, Balzac. Oui. J'espère qu'il y aura splendeur et musique. Mais Balzac ici. est l'auteur le plus adapté au cinéma français, mais depuis toujours. Et hein, là, les là les vraiment, qui est fidèle, qui n'est pas du tout dans une tentative de le manipuler, de le tordre, etc. C'est vraiment très réussi. Bon, il y a quelques, quelques lueurs d'espoir. Vous les années 60, c'est votre enfance, c'est. Peut-être les années les plus agréables pour vous, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est -ce oui, des bah souvenirs certainement. Souvenir les, les 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 plus heureux sont évidemment toujours ceux de l'enfance et, et puis n'est renvoie... pas Un peu idéalisé dans le sens où il y avait, vous étiez étudiant à Nanterre alors dans les années plus tard, mmh. dans les années 70. En bon, 67. 67. Voilà, ouais. J'arrive à Nanterre en 67. Il y avait ouais. des bidonvilles encore à Nanterre. Oui, oui, tout à fait. Il y avait euh, les immigrés autour. Oui, oui. Il des véritables bidonvilles, oui, oui. vrai, comme on en a plus vu peut-être. Non. Il y a, avant euh, les foyers sur la côte Oui, oui. Donc et là par exemple 68 part aussi d'une révolte ouvrière qui a été complètement euh, oubliée et, et engloutie par la révolution bourgeoise étudiante enfin la, la révolte bourgeoise et étudiante mais il y avait euh, par exemple au moment de 68 un premier Petit pic de chômage, euh, euh, des réclamations de la part de ses ouvriers, mmh. d'avoir un meilleur niveau de vie. Non, enfin, ce n'était pas le chômage, c'était la, la demande simplement. Euh, Ils voulaient profiter de la, de la, la, la croissance, de la demande de redistribution. De ah, une quoi. meilleure redistribution. Ouais. Et, et, et puis le, quand on regarde justement. On est dans les années de Pelampon encore, <coughs> Quand on regarde justement les films de ces années 60, je pense à Jean Carmet dans un film très champêtre, justement entre un monde paysan. Alors j'ai oublié le titre, malgré, malgré, malheureusement, j'adore Jean Carmet. Et – euh, et, et Je cherche, parce que je connais un peu le cinéma de cette époque-là. – Les années 70, de... là en l'occurrence, on est dans les années 70, et on a en gros, le, le Carmet joue euh, un, un, un père paysan, hein, le papa pu, le papa pu dont vous parlez, ouais, euh, ouais, euh, ouais, voilà. ouais. et puis il a sa fille qui commence à… C'est un peu l'image de cette euh, rupture, à la fois entre campagne et ville, à la fois entre euh, monde paysan… Euh, qui a besoin de peu et puis qui veut s'amuser. Qui, qui est la jeunesse, qui est l'agent de, de la mobilité voilà. et qui veut quitter la campagne. Avec la pudeur et l'impudeur, la fille dont on voit très souvent les, les attributs et, et au contraire sa famille paysanne qui est très, euh, très habillée. Ah, il y a un euh, film qui exploite la même thématique, mais Karma ne jouait pas dedans, euh, qui est le film de euh, la, la, la fiancée du pirate avec Bernadette Lafont. Ah, oui, oui. Vu qui, est alors, bah, oui, Qui est très, très, très subversif. Est-ce qu'on a le sentiment, moi, le, moi je suis voilà, plutôt de la génération de vos enfants, euh, que c'était aussi un monde très cadenassé, un peu ennuyeux, où tout ne pouvait pas être dit, où on faisait souvent semblant moi, je, euh, Les récits de mon père, c'est un monde où, d'abord, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table, ce qui semble très bien à bien des égards, mais euh, où on ne pouvait pas dévoiler ses émotions, c'est la pudeur jusqu'au bout, ce qui n'est pas seulement la pudeur des corps, mais aussi la difficulté à dire les choses, euh, et où parfois ben, on se mariait contraint et forcé dans le cadre de mariages presque totalement arrangés. Euh, donc il y avait aussi une pesanteur, quelque chose de lourd à, 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 à cette, vivre à cette situation, et notamment sur la, la, la question du mariage, vous connaissez la réponse terrible et cruelle des, des chiffres. Hein. Rien n'est plus fragile au regard de l'histoire que les mariages dits d'amour ou de sentiments. Bien sûr, le mariage d'amour, c'est l'invention du divorce. Bon, euh, mais pour le reste, mais écoutez, alors moi j'ai eu la chance d'être dans, dans, dans un milieu qui fait que je n'ai rien connu de tout ça et que je n'ai souffert de rien de, de cela. Alors, l'idéalisation de l'enfance, sûrement ça joue. Euh, euh, mais il se trouve que, euh, moi je garde de, 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 de cette période de la qualité humaine. Hein, parce que l'avènement de la règle de la. Quantité, c'est aussi la perte du calice, de la qualité humaine, euh, 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 qui se lit sur les visages, sur les manières d'être, sur un, un habitus. Moi, je parle de mon petit marché de la rue Poncelet. Euh, que je n'ai jamais retrouvé par la suite. cest un type d'humanité. Vous parlez de vos souvenirs, c'est ce que ah, tu hein. Dans la fin du monde, vous parlez aussi de vos propres souvenirs. Oui, dans, la, dans la préface, parce que je n'ai pas voulu préface, mêler les deux. Voilà. Et, et, et vous prenez vraiment des exemples très concrets ensuite. Hein. Vous allez décrire les bistrots, la sociabilité des bistrots dans les années Oui, 50, alors ça et oui, bah oui, parce que bah, euh, voilà, c'est sur parce des ce choses Moi j'avais le sentiment d'une chaleur et d'une humanité, d'une pleine humanité d'une pleine humanité qui se lisait dans, même dans la diversité des visages. Il y avait des troncs qui venaient d'une de, 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 façade gothique ou, ro, ou même romane d'une du, euh, église. Euh, euh, ces gueules-là ont disparu. Tout le monde s'habille aujourd'hui pareil. Tout le monde a à peu près la même tête. Je veux dire, il y a, il y a euh, une, une fa fabrique de, de, de spécimens humains qui... Euh, euh, qui, qui, a, qui, a, qui a disparu. Alors, qu'est-ce qui crée ça Qu'est-ce qui crée cette différence entre, euh, sur les visages, par exemple C'est quand même extrêmement épatant. Euh, 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 la qualité humaine, elle, était, elle pouvait être aussi bien chez le, chez le cochard, quand on croisait dans le bistrot, ou, 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 ou la personne qui occupait ou qui avait un statut social euh, extrêmement élevé. Mais il y avait euh, une humanité. Euh, vivante, qui était une, euh, quelque chose dans lequel on avait le sentiment d'être immergé. Alors moi, je n'ai pas idéalisé, idéalisé ça. Moi, je suis venu au monde et j'ai grandi avec ce spectacle-là. Et j'ai bien vu qu'il disparaissait. Et j'ai bien vu la manière euh, dont les choses... Changent. Alors, j'ai été placé à des, bah, par mon métier puisque j'étais journaliste, mais même, évidemment, euh, Nanterre était un poste d'observation extraordinaire, puisque tous les fils de la bourgeoisie se sont retrouvés là. D'ailleurs la je... zone de recrutement c'était 8e Neuilly, Levallois, le Valois, 17e, 16e. J'ai une question là c'est un, un petit aparté mais j'ai donc vous votre directeur c'était de mémoire de maîtrise encore était René Raymond. Oui. Est-ce que vous vous satisfaisiez de sa typologie des droites avec euh, mais pas alors, du, euh, tout, mais oui, pas oui, du voilà, tout, mais dans la cause du peuple, je. Oui, oui, vous, euh, vous en faites. Euh, voilà, faites je, mais je reprends une thèse qui n'est pas du tout à moi. Rendons à César ce qui est à César, qui est une thèse qu'a développée Stéphane rials et le fils de François qui et Frédéric Bluch, hein, et qui dit très bien. Mais même avant qu'il la, dé la, euh, qu la développe, moi. je j'étais sur cette idée-là, euh, Raymond a mêlé les droites, la droite ontologique, en gros la droite légitimiste, avec des droites de situation, de positionnement. Il se trouve que le libéralisme, tiers après 1871, se sont trouvés classés à droite, il se trouve que le bonapartisme, l'aspiration césarienne, avec son apport d'électorat populaire, ce que, euh, euh, ce que voudrait un carné Eric qui n'arrive pas Entièrement, parce que pour l'instant, il n'a pas, pas les faubourgs. Vous voyez, les faubourgs étaient bonapartistes. – bonapartiste, bon. Zemmour. Hein. – euh, À Paris, les faubourgs étaient bonapartistes. Euh, euh, Qu'on va retrouver dans, dans, dans toutes ces pulsions euh, euh, césariennes, on retrouve dans le boulangisme, par exemple, mélangeant droite et gauche. Bon. Euh, et, et ces ces droites-là, le euh, bonapartiste, c'est bah, de la gauche, c'est quand même le, 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 le fils de la révolution, même s'il stabilise, même s'il… Euh, parodie la monarchie avec ce sacre et oui toujours on en revient toujours à l'idée de euh, l'élection du président de la République comme l'empire et c'est une discussion souvent avec Eric Zemmour enfin, ces discussions on l'a eu des dizaines de fois avec Philippe de Villiers et Eric Zemmour à l'époque où on, on, on se voyait euh, et on déjeunait régulièrement euh, et, c'est que pour trouver un peu de légitimité, des régimes comme l'Empire et la République sont obligés d'emprunter cette légitimité à la monarchie. Voilà. Donc, à chaque fois. Bon, euh, Napoléon a bien compris que la dimension sacrale, c'est essentiel. Mais en même temps, il confirme la dévolution des biens nationaux. C'est-à-dire la spoliation des biens d'église, des biens de... Bon, euh, tous les acquis de la Révolution, il les confirme, mais il a l'intelligence, effectivement, de comprendre que la notion de pouvoir en France, ce n'est pas simplement l'exercice d'un d'une puissance, d'une potestat. Bon, euh, eh bien, euh, ces droites, ces deux droites créées par Raymond ne sont pas de droite. Elles n'ont été de droite que par positionnement. La seule droite authentique, c'est la droite légitimiste, dont les héritiers sera le catholicisme social au XIXe siècle, auteur de toutes les grandes lois de protection sociale sur le travail des enfants, sur le travail des femmes, sur l'attitude qu'il convenait d'avoir à l'égard du monde ouvrier. En fait, le catholicisme social. Essaye de rattraper la grande erreur qui fut l'erreur politique de la Restauration. Le, 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 le Louis XVIII aurait donné euh, le suffrage universel, le vote des paysans, la monarchie euh, serait restée en place. La grande erreur politique, elle est là. Bon, bien sûr, parce euh, que d'abord les paysans votaient ben bien sûr, pour euh, ben bien sûr. la monarchie. Et, 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 et le catholicisme social. Rattrape ce rendez-vous, essaye de rattraper ce rendez-vous manqué avec le peuple, et la seule droite qui peut se revendiquer de droite dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui, le mot droite a été collé aux puissances de l'argent, aux défenses des intérêts catégoriels, ou d'un statut social, alors qu'historiquement, la seule droite, c'est celle-là. Les autres sont des droites de circonstance, des droites de situation, de position, des droites que l'histoire met en position d'occuper cet espace à droite, mais qui ne revendiquent pas un corpus, idéologiquement, de droite. Autre question un petit peu à part, mais euh, pourquoi n'avez-vous pas terminé votre thèse euh, sous la direction de Raoul Girardet en plus avec... Ben un, pourquoi un je ne l'ai pas terminé Parce qu'il euh, fallait gagner sa vie. Donc il euh, y a un moment où, euh, étudié au-delà d'un certain âge, je me suis marié, j'ai eu un, un, un garçon, et donc les nécessités de... Euh, euh, je n'ai pu faire du journalisme que deux ou trois ans après, donc... Euh, m'ont éloigné de, effectivement, euh, ce travail qui, me, qui était très intéressant, parce que l'affaire algérienne, bien sûr, moi, je suis mis à la politique mais à travers l'affaire algérienne. – C'était parce que c'était juste ah ouais. après le. Voilà, les, mais moi, j'étais dans une famille qui vivait ça avec intensité. – Je le précise, le titre du mémoire, c'était sur… Euh, – Les courants euh, idéologiques dans le mouvement algérien-français. Voilà. – Algérie-Français. – Voilà, mais et, qui montrait d'ailleurs que ce joyel et la tradition contre-révolutionnaire qui, au départ, n'étaient pas très colonialistes, hein, voilà, hein, euh, et, 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 et le jacobinisme, et les, les descendants de Ferry, tous ceux pour qui euh, la colonisation avait été le vecteur euh, euh, pour apporter les lumières dont la Révolution française était porteuse aux, aux peuples euh, inférieurs. Par pas moi qui parle, c'est Léon Blum, hein, quand il parle de peuple inférieur. Alors, il y a toute une tradition radicale socialiste et socialiste, sur cette thématique-là, qui s'est retrouvée dans le dernier carré des, des partisans de l'Algérie française. C'était très curieux. Il y avait euh, des francs-maçons et des chrétiens, il y avait euh, la, les, la famille contre-révolutionnaire, le vieux mouvement nationaliste français, euh, mais il y avait aussi beaucoup de gaullistes, beaucoup Bien de sûr. compagnons de la Libération. Euh, L'ancien président du CNR, Bidot, c'était pas rien, euh, Soustal, qui était le patron du BCRA pendant, le, pendant la guerre. Euh, euh, Beaucoup de, beaucoup de fichiers qui se réclamaient du gaullisme, et qui finalement euh, se réclamaient du gaullisme pour dire il y a un moment où dans l'histoire il faut avoir le courage de dire non, d'ailleurs c'est De Gaulle qui nous a donné la leçon, nous disons non posthumus, nous ne pouvons pas accepter les conditions dans lesquelles l'Algérie est, est abandonnée en, en 1962. Donc c'est un mouvement extrêmement complexe, d'une grande richesse idéologique, parce que mêlant des traditions... Très différente, très différente. Qu'est-ce qui vous a donné la passion de la chose publique Vous n'aviez pas des parents particulièrement engagés. dans le. si j'ai un père qui était qui était roi, qui était royaliste, qui était montracien, mais je savais pas qu'il était royaliste politiquement, engagé politiquement. Et il s'est retrouvé, je veux dire, non pas avoir un peu par hasard, mais comme beaucoup de ces hommes de droite à la Libération ou au RPF. Vous voulez euh, RPF euh, avait sédimenté les bon, différentes bon. familles de droite, mais moi je suis né dans un, une famille qui était un père qui était royaliste, une mère très catholique pratiquante et un, un père royaliste de petite bourgeoisie, l'extraction hein, populaire à une génération toute, toute petite bourgeoisie. Un grand bonheur et on a tous vécu la même histoire, c'est-à-dire qu'on euh, on raconte on restitue les mêmes, les mêmes souvenirs et avec des parents euh, que nous adorions et moi je suis je pratique le culte filial et le culte des tombeaux, voyez -vous. Alors le culte des tombeaux, c'est très intéressant de voir que ce n'est pas une invention chrétienne, hein. c'est une invention en fait laïque du XIXe siècle euh, qui cherche justement à trouver à travers les ancêtres quelque chose qui donne euh, une dimension de, 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 de transcendance, la continuité de la nation, euh, euh, la communauté. Euh, euh, au Moyen-Âge, on entier les morts euh, euh, sans avoir le souci, euh, voyez, l'important, c'est d'être en, en, enterré à Santos le plus poss près possible des reliques des saints, d'où les enclos paroissiaux autour de l'église, où on serait même enterré dans l'église quand on le peut, mais euh, euh, le, rapport, euh, le rapport à l'inhumation n'est pas du tout le même. L'église va récupérer formidablement ce culte des tombeaux, euh, au XIXe siècle, et puis avec la fête, de, la fête des morts, euh, euh, elle, va, elle, elle va récupérer tout ça, mais et ça a été euh, au départ une pratique plutôt, euh, plutôt, plutôt laïque. Et alors moi, alors dans un esprit tout à fait chrétien, moi je suis un, je, je suis un fils de quoi. J'ai le culte des morts. Je vis avec mes morts. Je vis euh, quotidiennement avec mes morts. Vous -dire êtes croyant vous-même, pratiquant. Oui. Alors pratiquant, ça dépend des périodes, ça dépend des saisons, ça dépend des moments. Euh, euh, croyant. Alors. Moi, toujours un peu de coquetterie quand on dit qu'on est un croyant du seuil, on est comme Simone Veil, là au bord, on croit qu'on est indigne de rentrer. Je rentre très souvent à l'église, heureusement pour moi. Euh, mais il y a des périodes aussi où je ne pratique pas, où je pratique moins. Mais je peux dire que euh, la, la, la foi de mon enfance ne m'a euh, jamais quitté et je n'aurais, de ce point de vue-là, jamais péché contre l'esprit. C'est-à-dire que euh, je ne conçois pas un monde qui n'est pas un créateur, qui n'est pas, pas un dieu. Euh, et, et, et ça je le dois c'est vraiment, c'est pas simplement l'héritage familial, c'est pas un, un attachement affectif, je pense que euh, en, même en toute, euh, en toute rationalité, je pense que le, la foi le pari de la foi le, est, est un pari le, le, le plus raisonnable qu'on puisse faire, et ce qui est d'ailleurs très curieux c'est qu'au moment où la où apologétique aurait pu euh, s'emparer des, des découvertes de la science qui interviennent à ce moment-là, hein. c'est-à-dire les théories du Big Bang, du du, de l'abbé Lambert par un, de, voilà, par un se, trouve, se trouve effectivement confirmé dans les années 60-65 par les, les radiotélescopes euh, américains qui montrent bien que il euh, euh, y a un monde en expansion donc euh, que le récit de la Genèse n'est pas infirmé par la science euh, l'apologétique ne s'en empare pas c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce moment précis où, voulant aller au monde et étant émerveillé par euh, la puissance de l'homme hein, euh, c'est la phrase de Timon, il, il voit le, le, tout le, le côté exatant qu'il y a à, 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 être, à être croyant, croire en croit en un Dieu qui est humilié par la science des hommes à ce moment-là, hein, qui, euh, qui apparaît tout petit, et l'homme terriblement grand, c'est la phrase de Paul VI, nous aussi, nous avons le culte de l'homme. Euh, voilà, bon. Euh, euh, L'Église ne s'empare pas de parpâte, ça. ça c'est quand même très curieux. Euh, alors que euh, tout le discours de l'université qui est un discours scientifique sur le thème la science va tout expliquer, la science va apporter une réponse, ben la réponse qu'apporte la science sur la création du monde est une réponse qui ne contribue pas le grand récit de la Genèse et de la Bible. Et, 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 et c'est 64, 65, hein, euh, euh, les, les découvertes, il euh, y a Bell euh, et puis un autre américain euh, dont j'avais regardé les, les travaux, moi j'ai toujours été euh, frappé de de, euh, de cela, c'est-à-dire cette espèce de de, re, de renoncement de, euh, au moment où au, au moment où les, les, les découvertes humaines euh, semblent leur donner raison euh, ils, ils pensent que la foi n'a plus la force suffisante pour convaincre et entraîner là la... alors maintenant moi ce qui reste dévolu à votre génération encore je, je dis encore plus que la mienne c'est faux parce qu'en en fait nous nous avons les baby boomers euh, euh, de mon espèce, traversait vraiment un grand désert, qui était celui de, des années d'après-guerre, les 20 années d'après-guerre, où, où, où ces idées-là n'avaient plus du tout d'état civil. Quoi. Là, vraiment. Euh, euh... Ah, je, je suis le, le, le premier journaliste de droite à avoir eu un passé de droite. J'ai dirigé à la fois Minute puis Valeurs Actuelles à être entré dans un groupe de télévision. On était deux, il y avait Vincent Herouet et moi, à Téléphone. Alors maintenant, il y a ces news, on dit tout ça, c'est normal, mais il faut voir qu'il y a 30 ans ou 40 ans, là aussi, vous voyez, le média central qui était fin euh, euh, et qui n'avait pas la priori idéologique, hein, la famille Bouygues, ce n'est pas l'afro-gauchiste, eh hein, bon. bien là aussi, personne n'a théorisé euh, dans, dans les milieux de droite l'importance de, de ces médias-là et de la nécessité qu'il y aurait eu de les conquérir. Moi, je me suis retrouvé dans ce média par hasard, par hasard c'est une très bonne nouvelle, Bolloré, pour vous qui rachète. Ah ben en tout cas, il, il, a, il a un courage politique formidable. Ça c'est évident. Maintenant, il faut pas, il faut assurer la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire faire en sorte qu'elle ne soit pas liée à, vous voyez ce que je veux dire, à une seule aventure personnelle. Et ce qui est bien, c'est que il y a de multiples journalistes maintenant. Ça ne se réduit pas à une personne euh, sur cette chaîne. La génération, la mienne, c'était le désert absolu, nous étions hyper hyper minoritaires. Et donc, il y avait quelque chose de parfaitement exaltant euh, de sentir que, ou de croire qu'on avait raison contre le gros animal, c'est-à-dire l'ensemble de la société, quoi. Hein Alors on disait, mais c'est qu'être catholique, c'était pas spécifiquement socialement courageux, ou défendre certaines idées, si vous voulez. Et puis on avait le sentiment d'être dans, dans le mainstream, dans le courant porteur de la société. À mon époque, absolument pas. On était, euh, voilà, euh, euh, des irréguliers. Et, et il y a quelque chose, effectivement, euh, euh, d'exaltant et, et d'enthousiasmant d'être séditieux et subversif au nom de, au, 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 au nom de la foi, et se retrouver euh, parce que on a le sens de, de, de la mission qui vous échoue, ou de ce que vous devez faire. On, euh, on ne peut pas être indifférent, on ne peut pas ne pas s'engager, mais à contre-courant. Ouais. Alors il semble que dans votre génération, eh ben, tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Dans la génération qui vient, euh, ça sera quand même moins le cas. On l'a vu par exemple avec euh, euh, la manif pour tous, avec les veilleurs, avec euh, toutes ces générations qui sont apparues, euh, de jeunes hommes et femmes. Euh, qui maintenant, euh, effectivement, mais qui ont toujours à lutter contre euh, le gros animal, il est toujours là, hein, voilà, avec son conformisme, ses pesanteurs, et maintenant, au-delà du conformisme, et ses pesanteurs, la haine, la haine, euh, qui existait déjà à mon époque, rassurez-vous, mais euh, 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 là qui, avec le phénomène médiatique, a pris des dimensions qui font que, euh, effectivement, les, les choses sont d'une grande violence. Hein. Vous avez, on l'a rappelé au, au fil de cet entretien un très long parcours, parfois très proche du pouvoir. Vous avez été. Il n'a en... été proche du pouvoir que sur la fin, hein, vous savez. Voilà. Euh, Avec Nicolas euh, Sarkozy, quand euh, ouais. vous l'avez conseillé. Vous avez été mêlé, parfois condamné euh, sur le sujet de. Euh, des, des écoutes ou, de, ou des. Non, de alors là, euh, franchement, je, je, que vous puissiez dire quelque chose comme ça est absolument monstrueux. Quoi. Ah parce non, parce est, moi, je veux bien entendre ça sur les médias centraux. Ah euh, non, mais, c c euh, mais attendez, je termine ma question, justement. Et mais et puis le ça. mot écoute, mais vous voyez, c'est. Ah je, je, je reste mon dans, fact... mon, dans mon fauteuil, mais c'est factuel. Je... C'est pas du tout C'est pas du tout factuel, mais c'est pas des écoutes du tout. Je me suis expliqué là-dessus. Euh, mais très bien. On mais le, c est c est les le médias, il fallait tuer Patrick Buisson parce que Patrick Buisson ne devait pas être là où il était, où il avait pris l'influence qui, qui gênait. Euh, moi. Euh, J'avais la responsabilité de conseiller le président de la République quatre fois par jour, un débriefing tous les soirs. J'avais une obligation de résultat. Euh, les réunions se passaient selon un rituel que j'ai décrit mille fois. Euh, j'étais assis en face du président. Le président me donnait la parole en premier. J'intervenais pendant 20 minutes. Je ne pouvais prendre aucune note. Donc, pour travailler, pour pouvoir débriefer les rayons le soir, j'étais obligé de faire ça. Voilà. Bon. C'est dit. Donc, on m'a volé. Euh, je sais précisément qui, d'ailleurs. Un enregistrement, euh, vous savez, au moment d'une campagne électorale, euh, euh, il y a des entreprises, de, des officines de, de déstabilisation qui, qui travaillent et qui font. Ce... On va voler ça et après, on a bâti un roman, on a voulu faire croire. Sur cette bande, malheureusement, euh, il y a eu une chose qui était extrêmement désagréable, c'est que le président euh, Nicolas Sarkozy avait l'habitude parfois de mêler son épouse à des réunions de cabinet. Il se trouve que son épouse intervenait, ça se passait à la lanterne sur cette bande, qu'on entendait parler de tous les contrats fabuleux qu'elle allait pouvoir engranger le jour où il serait plus président de la République, etc. Que Et tout cela, évidemment, a, a rendu furieux euh, Mme Carla Bruni, que euh, Nicolas Sarkozy a plongé dans cette interprétation. Qui n'avait rien à voir avec la réalité, a fait un référé, un procès. Je n'ai pas fait appel, j'aurais pu, j'aurais dû d'ailleurs ce que j'aurais gagné un appel. Euh, C'était quand même une histoire absolument folle. Ce n'est pas moi euh, qui ai divulgué cet enregistrement. Il m'a été volé. Euh, il a été, donc été publié à mon insu. Euh, euh, j'étais condamné pour atteinte à la vie privée il s'agissait d'une réunion de cabinet à la lanterne, c'est-à-dire à la réunion d'une institution publique où la femme du président n'avait absolument rien alors, à voir alors quand on, a, hein, quand, on a, dire, quand on a quand on a la réalité euh, vous voyez des choses qui est, et, et un récit médiatique qui n'a rien à voir avec les faits, mais rien à voir mais il fallait diaboliser Patrick Buisson parce que euh, Patrick Buisson ne pouvait être que coupable, bon, et que euh, je gênais euh, beaucoup, de, beaucoup de gens à ce moment-là. Donc on m'a fait payer, on continue de me faire payer, le rôle que j'ai eu auprès de Nicolas Sarkozy, euh, pour les raisons que vous connaissez, et avec à chaque fois un récit qui n'a aucun rapport avec la réalité. Je me suis retrouvé devant le tribunal de correction. tous les profs de droit, il y en a quelques sont venus dire mais euh, la coutume qui s'applicalisait était celle-là, euh, donc j'ai toujours respecté la loi, mais on vient invoquer, euh, sans aucune base légale, matérielle, morale, euh, 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 des, euh, euh, des griefs euh, qui n'ont aucun fondement juridique, mais ça n'empêche pas le PNF de me poursuivre, comme il poursuit un certain nombre euh, de, de gens, euh, pour les raisons qui sont des raisons éminemment politiques, ce que je vous dis euh, La réalité, c'est que euh, euh, la coutume qui s'appliquait à la présence de la République depuis 1875... Euh, Sans discontinuité a été respectée, je suis resté parfaitement dans les clous, je n'ai vu aucune loi, ça n'empêche pas. Et ce récit, celui d'histoire d'écoute, c'est comme si j'écoutais Nicolas Sarkozy. Non, 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 j'écoutais absolument rien, je faisais mon boulot, qui était un boulot extrêmement lourd, extrêmement difficile en même temps. Je dirigeais la chaîne Histoire. Je m'organisais en fonction de l'obligation de résultat, c'est-à-dire pouvoir chaque soir, à 22h30 ou 23h, débriefer les réunions avec le président de la République et lui donner les indications que je croyais être les bonnes. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, dans l'ignorance, la bêtise, euh, la méchanceté, la connerie, l'agressivité, fait que les médias bâtissent un grand récit à ah, des fins, évidemment, politiques, et ce récit finit par être repris par les amis ou les gens qui, euh, soi-disant, vous sont proches. Donc, il euh, y a... — D'abord, merci, euh... parce que c'était l'occasion d'exposer de, les choses oui, très oui, clairement. — Oui, mais vous savez, il m'était arrivé question... de le dire quand même un certain nombre de fois, y compris dans un 20h, avec plus alors, donc la que... question de, de fond, c'était vous avez, donc, une, une grande carrière, euh, possible Non, dans alors, alors joueurs, vous voyez, là aussi, le mot carrière, je vous arrête, moi, je n'ai jamais ah, fait non, carrière. Non, — mais, mais pardon, enfin... J'ai jamais, jamais fait caillère, j'ai jamais ambitionné un poste, etc. Je ah, me ouais, ouais, suis je parlais, battu, euh... j'ai mené le combat culturel avec Exactement. les outils dont essayé, euh, euh, que j'ai essayé d'utiliser au service des idées que j'avais. Alors fondé. la question est très simple, de quoi êtes-vous le plus fier de, et qu'est-ce que vous regrettez voilà, dans ce, tout ce parcours de vie Fier d'abord, c'est d'une continuité sans aucune rupture, sans aucun reniement sur... Euh, 50 ans. Moi, les idées que j'ai, je les avais à 10 ans ou 11 ans, au moment de la guerre d'Algérie, dans ce milieu qui, pour qui euh, la notion de patrie, c'était quelque chose d'important. Donc, ces idées-là, euh, euh, j'ai cherché à les approfondir, à leur donner une base euh, euh, historique, philosophique, de manière à les défendre le mieux possible avec les arguments qui me être euh, les meilleurs. Mais ça, ça veut dire beaucoup de travail. Beaucoup lire, beaucoup travailler. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que euh, effectivement j'ai eu la chance, il n'y a pas lieu d'en être fier, de pouvoir faire coïncider ce qui était, ce qui donnait du sens à mon existence, et mon travail. J'ai jamais eu le sentiment de travailler. J'ai dirigé des journaux, j'ai créé ou animé des émissions de télévision et après j'ai présidé une chaîne euh, consacrée à l'histoire. Formidable. Et le hasard a fait, et je dis bien le hasard, parce que moi, j'ai aucune stratégie de carrière, je n'ai jamais rien demandé à personne, j'ai créé mes propres entreprises de communication, il se trouve qu'à partir de 95, j'ai conseillé un certain nombre d'hommes politiques, je s'occupe de la campagne de Philippe de Villiers en 1994, j'ai mis Goldsmith, j'ai eu comme client, parce que là, euh, la proximité idéologique était moindre, Jean-Pierre Raffarin, euh, François Bayrou, euh, Alain Madelin, et Nicolas Sarkozy, alors que j'animais avec David pugellas avec Michel Field, d'une émission sur la il est venu me chercher. C'est pas moi qui est allé chercher, Nicolas Sarkozy. Il est venu me chercher en me disant un type comme vous, j'en ai besoin. Il a raconté 50 fois cette histoire. J'avais pronostiqué, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles, alors que les, les sondages donnaient une large victoire du oui à neuf mois de, du référendum sur la Constitution européenne de 2005, j'ai dit non, le non va l'emporter, voilà pourquoi. Il va l'emporter largement. Et j'avais cité le chiffre de 55%. Voilà. Et par goût de la provocation ou de la fascistie, j'avais dit à Sarkozy, écoutez, c'est bien simple, si c'est pas ça, vous ne me recevrez jamais plus dans votre bureau. Ça se passait à Bercy, où il était ministre des Finances. Bon, évidemment, le soir des, euh, du référendum sur la Constitution, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai besoin de vous, est-ce que vous acceptez de me conseiller pour la présidentielle J'ai dit oui, parce que j'ai vu l'occasion formidable de faire avancer nos idées, de euh, faire ces avancées... Euh, idéologique importante. Alors la chose, si vous voulez, euh, mais c'est toujours comme ça, il ne faut pas s'en plaindre, euh, d'avoir théorisé ce, 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 cette stratégie d'union des catégories populaires et euh, d'électorats conservateurs, et d'avoir réhabilité dans le champ politique susceptible d'intervenir au plan gouvernemental, les notions d'identité, de racine chrétienne, de référence. En 2005, c'est sans doute ce que j'ai fait de plus important. Je ne sais pas s'il y a lieu de réclamer ou revendiquer une fierté particulière, mais d'avoir en enclenché ce processus. Aujourd'hui, tout ça et tout ce qui se passe, vous d'une certaine manière le prolongement de ça. Mais voyez le coût, la politique est une terrible broyeuse d'hommes. Voyez le coût que ça représente. Moi, j'ai le droit à toutes les critiques, y compris au sein de notre propre famille. Alors, mon métier c'était de faire du conseil politique, et donc, évidemment j'avais une structure. Donc, comme je faisais payer mes conseils, j'étais un mercenaire, et où Mais moi, je n'ai jamais fait payer que les conseils des politiques, dont c'était la profession. En revanche, j'exerçais ma fonction de conseil auprès de tas de gens à qui je n'ai jamais demandé un centime. Mais à partir du moment où j'avais une structure qui travaillait dans ce domaine-là. Il était tout à fait logique que je fasse payer. De... Vous savez, moi, j'ai jamais été un sarkozyste J'ai vu simplement. Dans la confiance que m'a accordé Nicolas Sarkozy, l'opportunité de faire avancer nos idées. J'ai eu cette chance-là. Euh, et euh, je pense que ce qui s'est amorcé à ce moment-là, alors évidemment, euh, le temps perdu, euh, la défaite de 2012 a brouillé tout cela, mais ce qui s'est noué à ce moment-là euh, a été vraiment les fondements de la renaissance à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte que les idées qui étaient. Euh, euh, ostracisés, c'est vraiment proprement ostracisés reviennent, redev... reviennent au cœur du débat politique. Voilà. Donc euh, ça c'est la chose la, 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 la plus tangible. Et puis euh, et, et, et puis euh, bah, derrière bah, j'espère avoir encore le temps d'écrire quelques livres, euh, un livre comme La cause du peuple incroyablement à... À, 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 à marquer les, certains esprits. Je suis là très heureux d'entendre des jeunes de cette génération dire pour nous c'est le livre de référence, c'est un livre de fond. C'est pas simplement un livre qui raconte une histoire et, et notamment euh, euh, pour nous resituer, resituer la famille d'esprit que nous représentons dans le long temps de l'histoire. Il fallait essayer de mettre les choses en perspective. J'espère pouvoir continuer ce travail bah, tant que Dieu me donnera vie et, et vue. Euh, et, 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 et voilà, et la chance d'une vie qui finalement euh, m'a permis euh, d'accomplir un métier, au sens noble du mot, et en même temps de défendre ce à quoi je crois le plus, et qui est euh, fondamentalement euh, ma personne. Je suis incapable de me dissocier. Eric Zemmour a la même passion du monde, de, du monde des idées. Et quand vous êtes habité par une forme de vérité, vous pensez avoir trouvé euh, euh, une weltanschauung une vision globale du monde, de l'histoire, etc. et que les choses en sont à peu près en ordre, vous n'avez qu'une envie, c'est de la faire partager. D'où, effectivement, parfois le côté un petit peu exalté que peuvent avoir ce genre de personnages. Oui, on reproche beaucoup à Zemmour d'aborder des termes qui paraissent aujourd'hui totalement inactuels comme l'affaire de, 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 de Vichy et les rapports avec, avec les Juifs, mais quand on est habité par la passion de la vérité historique. Alors évidemment, ça ne peut que lui nuire, mais j'en parlais hier avec, ben, je, ben, aucune raison de le cacher, euh, Gilles-William Golnadel, que je connais très bien depuis 30 ans, nous connaissons jusqu'en 1941, l'histoire euh, euh, qui nous est racontée euh, n'a aucun rapport avec la réalité. Il suffit de lire l'ouvrage, par exemple, de M. Ravius, et, et qui retrace l'histoire de l'Union des de organisations israélites de France, et qui était peut-être l'organisation la plus péténiste dans les années 40-41 qui existait sur le territoire national, et, 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 et qui voulait voir toujours la même chose, qui dénonçait l'immigration récente, euh, l'immigration récente euh, euh, qui venait d'Europe centrale en 37-38 qui avait fait l'objet d'internements avec le décret Sarau. C'est la République qui commence à mettre les juifs roumains, bulgares, dans des camps d'internement, de, qui vont servir par la suite. Sous Vichy, après la libération, d'ailleurs, c'est toujours les mêmes, voilà, qui ont vu se succéder des, des populations. Donc il ne faut pas oublier cette histoire-là. et euh, 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 la, les, 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 les juifs français qui s'étaient souvent battus pour la France euh, avaient une, une certaine crainte à l'égard de la dernière vague d'immigration en disant celle-là nous cause des problèmes et euh, euh, elle a fait le pari. Des de, de, de soutenir l'État français à ce moment-là pour, euh, euh, pour se protéger. Voilà. Et, et donc il y a une histoire qui n'est jamais racontée, qui pourtant existe. Donc on ne peut pas présenter la réalité historique comme cette espèce de film en noir et blanc qu'on déroule toujours en disant Mais non, c'était quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et on l'a et on, et on vu par la suite. Et, et, et donc, euh, quelles que soient euh, les responsabilités que porte l'État français sur cette question, il y a aussi. Des faits, il y a une réalité historique. Les juifs se sont sentis protégés en zone libre jusqu'en 42, et ont fui la zone occupée. Et donc ils sont venus en zone libre. Dire le contraire, c'est mentir, c'est euh, nier la réalité, la réalité des faits. Alors évidemment, ça n'a aucun intérêt dans le débat électoral, sauf que Zemmour a la faiblesse de penser que là débute le processus de culpabilisation globale de ce qu'est ce qu la France. De l'amour de la nation, de la patrie, euh, euh, dans la volonté de démoniser, de diaboliser, de noircir tout ce qu'elle a fait, toujours et tout le temps. C'est le grand débat, finalement, qui a pu avoir lieu, d'ailleurs, entre. qui met du même côté De Gaulle et Mitterrand, et, et de l'autre côté Chirac et ses, et ses, et ses, et ses successeurs. Alors. Euh, c'est l'espèce d'obstination à vouloir dire le vrai contre, euh, contre les pressions du faux, qui ne sont pas des pressions des qui sont des gens qui euh, depuis toujours veulent euh, détruire cette nation parce qu'ils il, pour toutes sortes de raisons il la haïsse profondément et, et alors on comprend qu'il se laisse emporter dans ce genre euh, de polémique et en même temps il a une euh, certaine forme d'annéité intellectuelle qui consiste à dire oui mais si on remet pas euh, sur l'expression aujourd'hui que tout le monde emploie l'église au, au centre du village on ne comprendra rien bon, Est-ce euh, qu'il va euh, réussir à se transformer en candidat écoutez ça c'est euh, euh, j'ai eu euh, Quelques échanges avec avec Eric, on se connaît depuis depuis longtemps. Moi, je pense pas qu'il soit fait pour ça. Je pense que il a une fonction très milicienne et extrêmement importante. Lui, on a jugé autrement. C'est son choix en tout état de cause. Moi, je lui dis que je n'interviendrai pas dans cette campagne. Il n'y aura jamais un mot désagréable de de ma part à son à son endroit. Mais je crois quand même que l'important, c'est de savoir pourquoi, en effet, voilà, et de ne pas sortir de ça. Dès qu'on on, on sort de ça, on s'expose à des, à, à des mésaventures. Et moi, je lui ai dit quel était mon sentiment au départ, et je criais beaucoup. Que moi, j'ai fait l'expérience et je n'étais pas candidat, mais j'étais réputé être le conseiller le plus influent d'un président de la République. Et je sais que ça se paye très, très cher. Et que le coût est exorbitant, exorbitant. Et que donc, d'une certaine manière, moi, je lui ai dit, moi, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour toi. Alors, tu t'engages dans quelque chose qui, est, qui va être d'une violence inouïe. Là-dessus, je ne suis pas trompé et je pense malheureusement que nous n'en sommes qu'au qu début. Alors après, il bah, y a effectivement euh, toutes sortes de considérations qui, peut, qui, qui interviennent, la volonté de, euh, de, 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 de sortir de cet emploi. La question est, est là précisément, est, euh, il, 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 il prend un risque. Donc euh, ce risque, maintenant, on va voir... Euh, euh, jusqu'où ça, 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 ça va le conduire, euh, en tout état de cause, euh, en politique, euh, vous savez, il euh, y a toujours des effets paradoxaux. C'est comme le progrès. Hein, le, euh, René Charles, le poète préféré d'Emmanuel Macron, dit que l'homme est receleur de son contraire, le progrès est de son contraire. Chaque progrès s'accompagne d'un anti-progrès, hein, qui en annule en partie les bénéfices. Euh, le paradoxe, à ce stade de la campagne, ce n'est qu'un paradoxe, mais vous voyez comme euh, on est souvent dépassé par même les stratégies qu'on peut élaborer et se retourne d'une certaine manière euh, contre, contre vous. Euh, C'était de dire effectivement, Marine Le Pen n'y arrivera pas et sa candidature était une candidature qui devait phagocyter ou vampiriser Marine Le Pen. Le paradoxe, c'est qu'au bout de trois mois, elle remet cette candidature, Marine Le Pen, en position elle l'a recentrée, c'était certainement pas l'effet les voulu, et qui a écouté les médias, maintenant, qui nous parlent d'une candidate sereine, solide, qui a franchi, toujours la recherche du storytelling. Donc, la résilience, le, le phénix qui renaît de ses cendres, ils ont fait le coup avec Chirac en 1994 95 c'est toujours la même histoire, les médias sont demandeurs de récits comme ça. Or, euh, aujourd'hui, un des effets euh, collatéraux d'un candidat d'Éric, c'est euh, c'est celui-là. Maintenant, il y a encore 4 mois de campagne. Est-ce que vous rêveriez de conseiller je parle personnage historique ou géographique euh, Peu importe, sentez-vous libre, mais est-ce qu'il y a un dirigeant où vous vous dites, j'aurais aimé le connaître, ah lui oui, apporter le... quelques éclairages, et, et, et éviter peut-être euh, des... Le des connaître, graves... euh, connaître un certain nombre de, oui, de personnalités j'ai en euh, tête. Oui, bien sûr, le conseiller, avoir la prétention d'apporter quelque chose... Euh, Ça, oui, voilà, en tout, tout cas, les côtoyer, disons. Ben, parmi les contemporains, à part euh, des créateurs, euh, je vous dirais non. Non. Non, alors. Euh donc, euh, euh, moi je suis arrivé à un âge où on, on vit beaucoup avec euh, la, 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 la compagnie des morts, quoi, la compagnie des ombres, comme dirait mon ami Michel de Gégère. La compagnie des ombres, j'ai la chance qu'elle soit peuplée. Il y a des gens que j'aurais voulu connaître, que je n'ai pas connus. J'aurais voulu connaître Anoui, je connais sa fille, euh, Colombe. Il euh, y, y a des gens que j'aurais voulu, oui, fréquenter et, et connaître, euh, parce que je les admire euh, énormément. Euh, et euh, bah, une question de de génération, de temporalité, ils m'ont échappé. Mais non, vraiment, ma seule ambition, c'est de pouvoir continuer à écrire le, le plus longtemps possible et d'essayer d'apporter cet éclairage parce que ce travail-là, bah, personne ne le fait. Donc, euh, je sens que là, moi, j'ai une nécessité de le, de le faire et d'apporter tout ça, sachant que euh, c'est un matériau qui sera profitable. Certains s'en empareront, euh, comprendront un certain nombre de choses, et puis, euh, si ça peut éclairer un tout petit peu le chemin. Euh, euh, Aujourd'hui, on peut dire, alors que c'est une perspective qui était totalement euh, euh, extérieure à notre champ de vision, euh, que notre famille d'idées peut légitimement prétendre à l'exercice du pouvoir. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à faire passer à ceux qui nous écoutent, peut-être les raisons d'espérer encore dans les années à venir à la victoire de... Ben, les raisons d'espérer, des elles sont, euh, moi j'ai je, 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 une conception euh, chrétienne euh, de l'histoire de l'humanité, je sais comment elle va terminer, mais l'histoire des hommes, je pense qu'elle n'est pas linéaire, elle n'est pas vectorielle, elle est cyclique. Et que donc là, nous sommes en train de sortir d'un cycle. Mais un cycle, c'est des cycles qui s'étalent parfois sur deux siècles. Nous, on veut une solution ici et maintenant, qui est donc comme ça, tout de suite. Là, voilà. Euh, on coupe la tête du roi le 21 janvier 93. Balzac dit en coupant la tête du roi, on a coupé la tête de tous les pères de famille. Mais la loi qui met fin à l'autorité parentale, l'autorité du chef de famille, du père, elle est de 70. Est deux siècles après. C'est-à-dire que pour que la, 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 la portée symbolique de la mort du roi rentre dans sa dimension juridique, il faut deux siècles. À la fin du patriarcat. Voilà. La route est longue. Voilà. Et donc un autre cycle est en train de commencer, et, et on a toutes les raisons de croire qu'il va être en réaction. On voit bien par exemple que le cycle libertaire est en train de se fermer. J'avais l'habitude de dire là, après la tribune des généraux, Konbénit euh, est mort et il ne le sait pas. Et, et, parce que l'aspiration à l'autorité, mais si ça pouvait être plus que l'autoritarisme, ça pouvait être l'autoritas, encore une fois, l'autorité. Euh, et et, et universel. La, le, le peuple français, 80%, souhaite cela aujourd'hui. Ceci qui est en train de se refermer. Le reste, eh bien, euh, Malraux parlait de l'impondérable des, 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 des renaissances, longueur, finalement, de l'imprévisibilité des épiphanies qui arrivent. Et, et Bossuet, qui n'était pas un adepte de la cancel culture, a écrit cette phrase formidable, qui est la grande leçon d'espérance quand Dieu efface ce qu'il veut écrire. Quand Dieu efface ce qu'il veut écrire. Bon, ben voilà. On attend la suite. Eh bien, merci, Patrick Buisson, pour ce très bel et long entretien, merci du temps que vous nous avez consacré. Merci pour la fin d'un monde qui est vraiment un, un outil passionnant pour comprendre la matrice de ce, cette grande révolution qui nous fait passer de l'homme religieux à l'homme économique. On attend le deuxième volet. Oui. J'espère dans un an ou deux. Non, non, non. non, non j'espère un an. Oui. Un an. Même, même avant, j'espère. Parfait. Et, et puis voilà, je remercie ben, ceux qui nous ont suivis. Je leur euh, dis et rappelle qu'on est maintenant plus de 175 000 abonnés en huit mois, donc vraiment merci, c'est un très beau succès, c'est grâce à vous, grâce à vous qui nous suivez, on est devenu au mois de novembre le premier média alternatif gauche et droite confondu sur internet, au mois de novembre, donc le tout premier média, merci à tous. Et puis on a fait notre entrée sur Getter, Getter c'est un de nos partenaires maintenant, c'est un réseau social qui permet d'échapper à la censure que l'on trouve de plus en plus sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux. En tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Merci. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en trois mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux. Et cela, sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une Web TV. Pourquoi Pour être la grande peur des bien pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages, alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà.